Bon! Mon petit OBS qui m'a lâché. Bon, c'est pas grave. Voilà, c'est réglé, c'est l'essentiel. Désolé pour ce petit problème technique, mais bon, ça arrive des fois avec OBS, comme je l'ai déjà dit sur un précédent live. Des fois, ça déconne. Bon, ce que je voulais dire par là, donc gros changement dans la police. Je quitte l'escouade Syrah pour prendre le lead de l'escouade Viper qui subit des pertes et des gros problèmes. Et des gros problèmes d'orientation. Donc voilà, je quitte Syrah provisoirement pour prendre le lead Viper. Donc c'est mon copain Whisky qui va reprendre le lead de Syrah. Donc je vous rassure, ça changera pas mon RP. Au contraire, ça va que l'améliorer. Mais je vais me retrouver un peu plus sur le devant de l'action. Je vais mourir plus de fois. Étant donné que je suis un très bon pilote voiture, bah, je vais arrêter de conduire. Je vais laisser la place aux autres. Donc voilà pour les petites nouvelles. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah écoutez, vous êtes encore de plus en plus nombreux à follower la chaîne. Merci encore aux nouveaux arrivants. Bienvenue à vous. Bienvenue à tous. Salut Ultimate. Salut NRV. BH. Salut à tous. Bon allez, place au live. Faites-vous plaisir. J'espère que je vous donnerai du plaisir. Et je vous dis bon live à vous. Et à tout à l'heure au fil du moment, de votre chat et tout ça. N'hésitez pas à chatter, c'est très important. Ça fait vivre la communauté. Allez, bon live! Mais respect quoi? Putain, t'es rentré avec ta politesse, toi, ou quoi? Salut, fiston, ça va? Ouais, ça va. Bonjour! C'est là que... Vous êtes qui, vous? C'est... Mais c'est vous, Viper? Vous êtes Cobra, vous, non? Ah, c'est vous, là-bas? D'accord. Bah, allez, les Tarlouses, là, rassemblement devant le quai, là. C'est les fissons. Ça va? Il y en a que deux ou quoi? Pourquoi le bon j'ai les pare-balles? C'est quoi ces conneries? Hein? Bon, c'est pas grave, va t'équiper, va t'équiper, va t'équiper! Attends. Bon! Quelle note de service? Ah ouais. Ah, Il y aura note de juste. service. Ouais, il y aura juste ça précis. Peut-être qu'il faudra que je forme un petit peu sur l'usage du procès-verbal. Voilà, c'est réglé. Et Pardon. puis après, voilà. Ouais, ah oui, c'est la note de service que j'ai vue, machin un truc bidule là. Ouais, merci. Non mais machin un truc bidule, putain, laisse tomber, j'ai mis 3 heures à lire, j'ai toujours rien compris. Donc il faudra que tu me fasses un résumé parce que là, Mais je vais le j'ai faire. rien compris. Sans Bon, problème. bref. Ah, on est que 4. Il en manque un là. Y'a Doulas qui va arriver, qui s'est trompé de gilet comme moi, du coup, mon commandant. Putain. Ne vous Je vais inquiétez pas, essayer de il est faire là, il est ça. tranquille. Je vais essayer de faire ça en 5 minutes, mon commandant. Putain, faut que je me le change aussi, moi. Bah, mon commandant, vous êtes commandant, en fait, un peu. C'est mon patron, Bah, quoi. t'as tout compris. Vous me faites des C'est sacs, bien. je peux Déjà, t'as compris la règle numéro 1. Je suis le plus rien. patron. T'as déjà compris cette règle-là. C'est déjà pas mal. Lunettes. Douglas. Ah, bon, c'est tout pas. Putain, Douglas! T'avais un coup de chaleur ou quoi, la bordel de merde? Tu remonteras pas tant que tu m'auras pas ramené 3 poissons, allez. Ramène-moi 3 poissons, sinon tu montes pas. Douglas, t'as des problèmes de frein, tu sais pas freiner ou quoi? Douglas. 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 Ramène-moi un poisson. Je vais tout de suite. Acheter une nouvelle villa Ah avec bah, l'argent de je la police, terrible. Ça me convient, mon général. Pas de doute. Vous êtes heureux, moi je suis heureux, mon général. Bon, les Tarlouses. Bah ouais, par contre, Douglas, il a des petits problèmes de tête, je pense, là, parce que. Non, non, il Le chat va. Il va va... laisser ton truc de rassemblement devant l'eau. Non, non, il va me chercher un poisson. Il est parti chercher Il est du où? poisson. Il est parti me Il est chercher un parti, poisson. hein? Il est parti chercher un poisson. Putain, mais non! Quoi, non? Bah, si! C'est une Il est offrande qu'on parti fait chercher du poisson. dans un peuple indonésien. À chaque fois que le chef de camp arrive, on lui fait une offrande. Tenez,
Un poisson. Si vous voulez, j'ai un pied de biche. Comme ça, au même moment, il va chercher la foi, parfait. Hop. Exactement. Ah. Putain. Le sabre. Ah non, 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 sortez pas ça, s'il vous plaît. On les a doublés, c'est ça. Il va rechercher un poisson, visiblement. Ah, mais... Bon, on va faire connaissance déjà. Mon colonel, mon général, pardon. Félicitations, en fait. Hein. Merci. J'étais pas présent à votre cérémonie, j'aurais bien voulu boire un coup. Hein, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Moi, qui a été présent à la cérémonie. Qui a été présent à la cérémonie, mon général? L'autre général et le gouverneur. Deux minutes, c'était une cérémonie. D'accord. C'était voilà, entre 8 et 8 d'urgence. Bon, les Tarlouses. À partir d'aujourd'hui, je suis votre nouveau commandant. Attends, avant de commencer. Ah. Moi, où la ligne, elle est là. Là où je suis, là. Ah ouais. Sacrée ambiance là-dedans. Bon, allez-y un petit peu. Bon! Quoi? Sapristi? T'es pas soleil? Trop de muscu. Il arrive pas à passer. Trop de Big Mac tue le Big Mac. Trop d'alter aussi. Dommage? Avec un Z? Ok. Il est parti voir sa fille, je sais pas si encore. Ok. Bon, bref. Bon! On m'a chargé d'une mission. Prendre votre commandement. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, je suis commandant. Donc le patron. Et quand je dis que je suis le patron, je suis le patron. Et on ne faut pas me prendre pour un con. Si on me prend pour un con, c'est que je suis pas bon. Et si je suis pas bon, c'est que je dois devenir bon. Mais comme je suis bon, je suis con. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Voilà. Article 1. Le commandant a toujours raison. Article 2. Même quand le commandant a tort, il a toujours raison. Article 3 se référencer à l'article 1. Ok ? Oui. Oui. Bon, j'ai vu que le major a fait une note de service. Une note de service. Que. Enfin, que voilà. Hein ? Enfin, je me comprends. Il va vous l'expliquer. Ok. One or yellow. Tu feras gaffe, Cédric, je crois que tu t'es trompé, il va nous l'expliquer, c'est ça que tu voulais dire. Oui, il va nous l'expliquer, hein. Ouais. Ben, il ou elle, on sait pas, vous êtes madame ou monsieur? Monsieur, ça s'entend d'accord. Pas. D'accord. Bah si, bah, moi j'ai connu des madames avec des voix graves, hein. Et quand elle montait au ciel, elle faisait... Ok. On va pas savoir ça. La note de service, donc le patraque DR, je vous passe l'introduction, qui a marqué, ça veut dire. Donc les personnels, donc l'articulation des patrouilles, les squad vipers sera principalement... Oh, parle moins vite, on dirait que tu prends un TGV, que tu vas voir ta femme, là, parce que t'as pas tiré un coup depuis 15 jours, là. Moins vite. Bon, allez, je vais m'occuper de vous, là, du coup. On n'entend pas les gens de parler, ouais, c'est normal, parce que j'ai fait de la merde, change de tenue. Oui, aussi. Tu t'as changé en quoi? Bon, en fait, j'ai quitté Sierra pour prendre Viper. On m'a demandé, donc... Non, je suis pas Cobra, je suis Viper. Au minimum, ouais, prenez 400 cartouches de votre arme. Ok, et qui prend celui de Sierra? Ben, Whisky, du coup. C'est Whisky qui prend le... C'est expliqué dedans, c'est le commandement de Sierra. Ça sert pour les désignations laser de nuit, d'accord? Ça peut aussi marcher de jour. Ça peut aussi marcher de jour, à vous de voir. Ça peut être très utile pour CPA, ça peut être très utile pour les unités qui arrivent, voire même des unités qui sont à 1600 mètres de vous. C'est-à-dire, vous faites une désignation laser, vous arrivez par exemple, je sais pas, vous êtes en gunfight à dire, les maisons là-bas, là, vous arrivez là-bas. Vous êtes ici, quelqu'un vous fait une désignation laser sur une maison précise, bah déjà d'ici vous allez pouvoir le voir. Salut Alex, merci d'avoir follow la chaîne, tu peux aussi t'inviter, je t'invite également, tu peux t'inviter ou je t'invite, tu tapes un crus. T'abonner sur YouTube pour revoir les lives et les gameplays que t'as raté, tout est dans la description en bas, ou de rejoindre le Discord pour jouer en intra-communauté. Merci à toi, bisous mon loulou, bienvenue. Le matériel avec lequel vous vous sentez le plus efficace, ok. Ensuite la tenue, bah ça moi c'est celui-là. La tenue, ça apporte pas de commentaires. J'ai même mis une photo, histoire qu'on soit sûr que vous comprenez bien. Pour ceux qui salut. Ont du mal, qui seraient... Salut Nick, ça va ou quoi? On te coupe peut-être, hein? Non, pas du tout. Ah non, malheureusement. Bon alors, ça va ou quoi? Tu diras ça au général. Il m'a viré. Il m'a viré. Idem pour le gilet sec à SOP4. Non, mais je reviendrai. Tout ce qui est lunettes, bandana et chez Max, c'est les slivres. Cependant, c'est interdit sur le dispatch. Donc le dispatch, c'est ici. Une fois que ta vous caméra. Êtes en véhicule, si vous voulez mettre un chez Max, moi, le premier, je mets un bandana avec des lunettes. J'aime bien
que les gens voient pas trop mon visage. J'ai pas envie qu'une fois que je rentre de service, je me fasse casser la gueule par des clampins, quoi. Ok. Ensuite, le port du casque de combat et de la, ainsi que de la cagoule sur Tive Noire est à revêtir d'initiative lors des opérations ou sur ordre. Ça, c'est pareil, je veux pas vous voir patrouiller en casque lourd et en cagoule furtive, sauf si on vous donne l'ordre ou éventuellement si on va sur Sofia. On sait que t'es encore à la page 1 là ou pas? Ouais, je suis encore à la page 1. Bah, j'ai... Oh putain, il me casse moi. Oh putain. Il a la page 4! Ensuite, donc, vous emporterez également dans votre sac la tenue short Wood Viper. Alors, la question m'a été posée, cette tenue sert pour les prises d'otages et les banques. Pareil, c'est sur ordre. On la remet sur ordre. Vous la prenez sur vous, ça évite de retourner à la BA et de perdre du temps à se stuffer. Comme ça, dès qu'il y a une prise d'otage qui se déclenche, vous avez tout sur vous et vous vous équipez. Pour ceux qui me répondraient, on va être maxi lourd, je vous dirais que c'est faux, vous mettez tout dans les véhicules, il y a de la place. Ensuite, dans le sac, elles n'ont vraiment pas de place en fait, elles n'ont pas de quoi. Ouais, voilà. Ensuite, donc la petite phrase, parce qu'apparemment j'ai vu que ça avait posé un petit peu de soucis. La petite phrase, il est fortement conseillé au personnel de ne stocker dans leur gilet pare-balles que les chargeurs de leur arme principale. Donc je m'explique. En bas, vous avez dû remarquer que je vous demande dans vos véhicules de stocker des chargeurs supplémentaires de votre arme principale. D'accord. Donc... T'as vu mes pecs ou quoi? Ouais, maxi, impressionnant. Donc, un code noir se déclenche, et patati patata. Ouais, ouais. Vous voulez mettre votre gilet PC. On parle au gouverneur, moi. De perdre votre temps à enlever tout ce qu'il y a dans votre gilet. D'accord. Vous avez juste à prendre votre gilet P5. Vous allez vous me dire, vous allez perdre vos chargeurs, mais c'est pas grave, vous avez été intelligent, vous avez mis des chargeurs en vrac. Dans votre moi je me casse. Hein. Donc, c'est pour ça. Trop long, c'est trop long. Bon bah, adieu tenue civile. Bon, attends, faut elle me rend pas un peu gros ma tenue là quand même. Bah t'as toujours été. Non pardon, hein? De quoi? Non, super bien la ligne, j'aime beaucoup. Tout vous va bien mon général? Évidemment. On va peut-être arrêter de bouffer McDo. Ouais. Qui c'est qui a dit ça? Qui a osé dire que le général doit arrêter de manger McDo? Va t'équiper de ma gueule. Comment? Je vais le prendre. Oh. T'en as un aussi? Non. Ah bah voilà, donc tu peux pas me taper avec ton katana. Ah là, c'est simple. On peut hop là, effacé. Excuse-moi, j'ai plus envie de te parler. Merde, c'est quelle tenue qu'il faut maintenant là. Bah ouais, plutôt une manche longue. La polaire. Ouais. Oh putain. La polaire. Polaire femme ou polaire homme? Celle-là? Ah, regarde. Chingonzès. Mais c'est quoi ça? Oh putain, ça me coûtait cher moi encore toutes ces histoires. Ah non, j'ai 154 millions. Bon, bref de plaisanterie. Polaire. Chapeau. Bob. Casquette. Comment tu fais pour monter et descendre la glace? Ah. Aspect. Salut toi, ça va? Ça va, ça va. H, J, K, L. T. Ça marche pas. H, T. Putain, on dirait que je suis forgeron. J'ensemble à quoi là? Tu peux changer de toute façon. On dirait pas un pilote de X-Wing dans Star Wars? Ouais, si. Ah, je vois. Ah, ouais, t'as vu, ouais. On m'appelle Chewbacca Junior. après il voulait quoi lui? Oh putain, j'ai des pare-balles aussi là, putain. Putain, je vais pas m'y faire moi ces conneries. C'est lequel? C'est celui-là? Celui-là. Ah, trop des gilets pare-balles là. C'est celui-là. Ah mais là mon sabre il va pas aller là, bordel de merde. Est-ce merde. Que attends, je te... Voilà, voilà. Putain, faut que je change tout quoi, putain. Ah, mais c'est parce que t'as pris le gilet P5 avec le truc devant. Bah oui, normal, que je prends un P5. Il y aura un P6, j'aurais pris un P6. Oh, je vais juste prendre le P7.
Question. Non, je couche pas le premier soir. Ouais, je vais pas m'y faire, moi, ces conneries, là. Ouais, puis merde, nique sa race, moi, je fais ce que je veux. Hop là. La green. Eden Scott, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, et vous? Ouais, ça va, tranquille. Vous avez repris les Vipers? Bah ouais, j'ai pas le choix, en fait. Ah. Chapeau. Pas mettre un truc trop foufou, hein, parce que... Moi, je vais prendre ça. Allez, hop. Un truc nique sa race. Cobra, CPA, Viper. Ouais, je prends ça. Viper. Oui. Faire laquelle? Casquette. Ah, point. Ouais. La casquette va bien. Putain, faut que je me refasse autant. Celle-ci, elle est trop claire par rapport à l'équipement. La casquette, elle va mieux. Je vais sur la verte. Alors. Et puis, il y a le petit police en plus. Donc, On part sur la verte. Je vais demander l'avis des gars. On prend le premier gars qui passe. Non, en général, vous. C'est vrai que vous m'avez dit qu'il n'y avait pas marqué police tout ça dessus, mais il faut que. Avec les casquettes quand même. Pourquoi j'ai trois casques moi? Bonjour, c'est vous dispo dans. Ouais, on va faire ça dispo. 15 minutes, peut-être c'est vous. Ah non, mais à Kakou, il n'y avait pas d'avis. Du coup, j'aurais prendre le béret moi ou pas? Le quoi? J'aurais au béret moi. Tu me parles toi. Dixième? Tu dis quoi? Solide donc. Bah attends, y'a des trucs que j'ai plus besoin, moi je suis patron. Hein. Téléphone, GPS. 400$, c'est une blague. C'est compliqué là. Bah oui, bah là du coup c'est chiant même. Ça je vais le garder. Ça je vais le garder. Ça je vais le garder. Je prends pas leur sac à dos pisse biche, je suis pas allé pour péter des bagnoles. C'est vrai ça? Comment? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, il a pas tort, il a pas tort. Y'a pas un sac à dos sans pied de biche là, bordel de merde de cul à la con là? Ah mais du coup il me faut une radio longue moi. Ouais mais merde. Ah ça comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez les gars? Pas mal, barbu, machin. Pantalon, chargeur. Salut Trunks. 2. 3, 4. Ça suffit, hein. Ouais. On prendra peut-être. Ouais, non. De toute façon, on va mourir. On est Viper, hein. Donc on meurt vite. Ça, j'ai pas besoin. Ça, je peux garder. Ça aussi. Ça aussi. Ça, par contre, dedans. Armurerie. Deezer Eagle. Chargeur. 1, 2, 3, 4. Fermé. 192, 1, 2, 3. Ah ouais, c'est parti. Il y avait au cac en plus. Ça y est, Facto. Je pète, tu pètes le feu, ouais, un peu. C'est bon, t'as fini? Je suis sur la tactique là. Ah d'accord. Ils comprennent. Oh, bah je repars alors. Pousse ta merde! Non, respect! T'as cru que j'étais ton grand-père ou quoi? Non, c'est faux. D'accord. Ça va tranquille, mon petit Trent, comment ça va? Bah, Facto, comme d'habitude. Hein, hein, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais. Tu rentres pas avant moi. Quoi? C'est qui Trent? C'est un copain à moi, j'avais au téléphone qui s'appelle foot, t'es de la police? Non, ouais bah oui je suis de la police. Ah bon? Bah c'est ma gonzesse. Tu lui passerais le bonjour? Ouais, elle ou à lui?
Putain, faut chercher des bagnoles police maintenant. Non. Fait chier, quoi. Qu'est-ce qu'on va acheter? Ah, bah tiens, on va peut-être moins casser. On va prendre une moto, tiens. Ça, on s'en fout. 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 Porsche Cayenne, oh, c'est pas mal ça, Porsche Cayenne. Ça cache, je crois, ça. Hein. On s'en fout. 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 Ouais, je vais prendre ça, ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme voiture? Il y a une Dushka, hein. Important une Dushka, hein. La Nissan, bah, c'est pourri une Nissan. Oh, Bugatti chiant. La Nissan, la Ferrari, la Porsche, la Porsche, la Porsche, la Porsche, la Porsche, la Porsche, la Porsche. La Nissan R335. T'es sûr? Ouais, on achète. Ah, merde. Je crois que j'ai déjà en plus. Le garage. Alors non, plus du tout, je suis Viper maintenant, je commande Viper, le voilà. Dans l'équipe, dans cette équipe-là, ça arrivait régulièrement qu'on s'arrêtait, on repérait quelqu'un qui nous avait... Donc voilà, vu, ben, en gros, j'ai quitté Syrah pour Viper, on m'a demandé de prendre Viper, de remonter Viper comme Syrah, donc c'est ce que je fais. Bah là, on est 5, 6, 7, il me reste 9 places. Vous parlez à la radio, vous dites ok, il me faut le doc sur moi, il me faut le doc sur la, ma position. Redfield, lui, il est pas con, il va percuter, il sait que c'est à lui de venir. Ça privilégie aussi les autres squads. Des fois, si le doc, ben, il est pas dans un Strider, ça évite de réfléchir que les autres squads ou Blackheart, putain, il est où Redfield ou il est où le médic de combat. Non, les autres squads, quand elles sont en opération avec nous, elles savent parfaitement que si elles disent doc à la radio, elles auront un doc. Il y a pas de souci, il y a pas à réfléchir, ok. Le cinquième véhicule, donc celui-là, c'est vraiment le véhicule bonus quand on sera vraiment nombreux. Donc mission observer, rechercher, détruire, armement, fusil de précision. Et là je vais être un peu plus précis, histoire d'éviter les susceptibilités avec d'autres escouades. Secteur de surveillance lors de la rame de véhicule, 6 heures. D'accord. Donc l'arrière de la rame de véhicule. Être l'élément de serre-fil du groupe. Est-ce que vous savez ce que c'est être l'élément de serre-fil d'un groupe? T'as fait quoi comme candidature, Trunks? Bonjour. Salut. Ah ouais, maintenant il me faut des chargeurs, ouais, putain. C'est casse-couille en fait. Mais en fait c'est... Mais c'est qui m'a tapé? C'est Nick Nick je crois. Allez, en bonne chorizo. C'est Nick Nick. C'est Nick Nick qui t'a tapé, je l'ai vu faire. Tu veux la vidéo? Allez, oui, s'il vous plaît. Tiens, prends la vidéo. Ah non, ça c'est la vidéo de YouTube, du YouPorn. Tiens, celle-là. Merci beaucoup. Ah bah je vais traiter ça après le 20h minuit. Okay. Donc ils ont une liberté de mouvement totale, une autorisation de s'isoler et un personnel du véhicule devrait être obligatoirement en armement d'assaut et participer en permanence à la protection du ou des tireurs d'élite. Donc maintenant je reviens sur l'armement des fusils. Donc le cinquième véhicule. Donc le véhicule, oui. Le crime n'attend pas, Major. Alors je les lâche alors, comme vous voulez. Non bah cours, faites court, faites court. Donc, le cinquième véhicule, Tango Echo, vous n'êtes pas des vrais snipers, vous êtes du contre-sniping, d'accord? Donc, dans vos véhicules, vous aurez des M4, des choses comme ça. Vous n'êtes pas là pour neutraliser les véhicules lourds, vous êtes juste là. Si jamais une action qui se déclenche, comme c'est marqué tout en bas, le rôle des personnels,
pour aller sur des points qui sont déjà identifiés et que le SIRA ne peut pas encore traiter. D'accord ? Il est évident que les personnels qui seront affectés à ce véhicule, donc à l'équipe Tango Echo au Sniper, ce seront des personnels qui sont particulièrement aguerris et qui savent se débrouiller tout seuls, d'accord ? C'est marqué à tout en bas dans le rôle des escouades. Ok, vous, ah, vous parlez de moi là, Major, non ? Ouais, comme vous voulez. Voilà. Est-ce que j'ai été assez clair ? Donc si jamais vous avez encore des questions, je crois que j'en ai fini normalement. Chut. Voilà, après, ouais, place du chef avec Charlie. Donc ça, après, ça c'est ce que moi je fais. Après, le commandant il se place là où il veut. Place de l'adjoint avec Bravo. Et distance entre chaque véhicule 100 mètres, à l'exception de du véhicule Tango Echo. Ok. Ensuite, le profil des binômes, je vais pas vous l'expliquer, tout est marqué dessus et tout est expliqué. Ce qu'on attend de vous, si vous êtes affecté à des binômes. Ok. Allo chéri ? Ouais, ça va ou pas ? Ouais, ça va tranquille. Ça va, ça va. Ah bah j'ai pris mes fonctions dans ma nouvelle unité. Hein. Je suis en train de faire connaissance avec les mecs. Tu es des mecs. Ouais. C'est sûr. Ah ouais. Tu veux rejoindre Viper ou quoi? Non, non. Ce soir. De toute façon, je t'aurais pas pris. Mais à partir de demain, je le souhaite. Donc ce soir, avant de faire votre fin de service, si vous savez à quelle heure vous allez faire votre fin de service, ben vous arrêtez un quart d'heure avant. Vous venez à la BA et vous me stuffez un véhicule correctement. Pour la petite histoire, moi j'ai 4 véhicules dans mon garage qui sont stuffés exactement comme ça. Ok. Si on a que des Raptors, on va faire un Raptor. Vous avez refusé. Vous avez pas assez. Je sais que vous n'avez pas accès à beaucoup de véhicules, ça sert à rien. De toute façon, les Raptors, on ne les prendra jamais. Donc, ça sera moi les gradés qui vous sortiront des véhicules. Moi, s'il faut ce soir, je vous sortirai des véhicules. J'en ai 4. C'est pas un souci. Quoi. Par contre, vous en prenez grand soin de mes véhicules. Si vous n'avez pas de questions, ben, je laisse la main au général. Et au commentaire. J'ai un camarade qui Allez, en avant ! Ouais, on va où ? On va lutter contre le crime. Génial. On va faire son travail quoi, parce que Cobra il s'est déjà parti depuis une demi-heure. Allez les gars, deux recrues avec moi. J'abuse un peu une demi-heure, c'est bon. Commandant, les cheveux ! Je sais pas. On voit pas de quoi tu parles. C'est que vous qui avez suivi mon sac. Test radio ? Test radio ? C'est reçu. Non, ok, Mike, tu prends une recrue et l'adjudant, et moi je prends deux recrues. Ensuite. T'as qui avec moi là ? Douglas. Ah bon ? Ah bah ok. Allez, on se casse. Tu veux conduire ? T'as une trousse ? La fille. Parce que je sais que tu casses beaucoup toi. Moi ? Ouais. Non. Si, si, on m'a dit que tu cassais beaucoup. Non. C'était peut-être un autre Douglas alors, mais moi. Mais mets la trousse dans la voiture. Trafic. Votre canal c'est quoi ? 1, 2, 3 ? 2. 1, 2. Test 2. Tenez, il y a la perruque de Bellic aussi dans le cas si vous voulez. Quoi ? C'est quoi ? Il y a la perruque de Bellic aussi dans le cas. Ah bah là ça va dedans. Vous êtes avec nous, colonel ? Général, pardon. Allez Viper, en avant ! Qui c'est qui est tout seul dans la voiture là ? On est en perruque. Dédé, t'es au but de Bellic ? Ah oh putain, mais Bellic, viens ici là, je suis devant l'entrée là. J'arrive, chef. Tu m'as, reviens. Salut, chef. Ça va ou quoi ? Voilà, chef. Je m'occupe de faire les points cartes. Bon, les tarlous. Laisse du masse avec notre crew. Laisse du masse pour Bellic. Quoi, t'as l'air moque, tu parles comme ça, non ? En fait. Ah, négatif, je parle à Bellic, mon commandant. Pourquoi tu lui parles mal comme parce ça ? J'ai trois recrues, j'en ai une avec le général, une avec le commandant, une avec moi, donc Dudu il vient avec moi. On sera l'escouade Charlie, donc comme il est doc, c'est pas un souci, il restera derrière. J'ai rien compris. Je voulais choisir le général ou le commandant qui veut être alpha, qui veut être bravo, du coup. Bah tu vas me montrer ce que tu sais faire, tu vas être alpha. C'est bien pris, du coup je vous laisse du masse. Bah moi j'en ai déjà deux avec moi là. Le général ils sont deux. Bah du coup si vous en avez deux avec vous, donnez-en un à du masse qui va créer un véhicule. J'y vais ou Douglas il y va ?
Je sais pas, comme vous voulez, vous mettez d'accord entre vous. Vas-y, fonce, Douglas. Allez, fonce. Je pilote. Tombe bien. Bam. Si je puis me permettre, mon commandant, la C-63, elle était pas dans la liste des véhicules. Douglas, monte avec moi, du moins, il sortira un véhicule à la baie. Allez, à la baie, tranquillement. Allez, c'est parti. Nous, on se met en quoi? Nous, on se met en AD de la nouille. Nous, du coup, nous, on est bravo, nous. Mais bravo de quoi? Je comprends rien, vous. En fait, y'a Alpha Bravo. Donc, moi, je suis bravo, on est d'accord. Ou Charlie, comme vous voulez. Non, moi, je. Le général, il l'a pas trouvé, Charlie, encore, il va le prendre. Ça fait beaucoup de choses. Ouais, il est trop de trucs. Il y a trop de trucs. Bon, Alpha, il vaut contact, nous on protège Alpha. J'ai rien compris. Alpha, c'est ceux devant, ils vont au contact, nous on les protège. Voilà. Ah. Donc c'est eux qui décident où on va en fait. Oh, y'a plus y'a qu'un. Hein? On est à 50. Je sais pas. Je comprends. Respecte les limitations de vitesse. Ouais, respecte, respecte. Parce qu'il va t'engueuler après. C'est normal qu'il y a plus de cam, j'étais en train de manger un truc. J'ai pas entendu la suite. Doucement les gars, je vais pas montrer ma gueule en train de manger quand même. Je sais que vous êtes tous amoureux mais quand même les gars, merde. Si tu manges. Hein? Si tu manges. Des conneries. Trop bien. C'est ça qui est où? Moi j'ai mangé des cordons bleus. Ah ouais. J'en ai mangé deux même. Tu vas grossir. Si seulement. On veut tout voir. Ah ouais, surtout ma gueule de con ou ma bogissitude. Je propose qu'on aille sur une dégadesse. Vous voulez aller à la BA? Qui? C'est ça le commandant. C'est ça le patron comme tu l'as dit. C'est ce que j'ai. Exactement. Donc on va à une dégadesse. Ah, mais il y a rien fait à la BA, sachant qu'il est. Ouais, bah se démerde. On a le doc qui est arrivé, mon commandant. Ah merde. De quoi s'il se démerde et là c'est la merde. Oh, l'ascension. Du coup on va quand même à Negades ou on va à la BA directement? Ah ouais, on va à Negades et on va tranquillement à la BA, ça s'appelle la sécurisation. C'est reçu. On prend contact avec les entreprises, avec les civils, on discute avec eux, on lutte contre le crime. Notre mission c'est ça, montrer une belle image du gouvernement. Oh, le ministre serait fier de vous. L'escouade bravo, je vous laisse faire votre point. De quoi? De quoi? Oh putain. Ah, sur carte. Ouais, je vais le faire, juste. Bon, c'est quoi? Putain, j'ai plus l'habitude de faire ça, moi. C'est quoi ton nom, toi? Bellic, mon commandant. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. C'est des pourritures. J'étais votre ministre auparavant. Ouais, espèce de pourriture. Ça, j'ai toujours été cool avec vous là. Tu m'as jamais donné de pognon. Ouais, le général il a tout gagné pour lui. Ouais, la pince. Ouais. C'était plus une pince là, c'est une pince monseigneur. Ouais, mais moi j'ai pas de thune. Putain. Lui qui avait thune. J'ai même voulu vous kidnapper à un moment. Sympa, là, bah c'est vrai. Il y a de la house, les cheveux et tout. C'est bizarre quand même. C'est injuste. Hein? La vie est injuste. C'est très injuste. Alors attends, ça. Merde. Oh, putain, j'ai l'habitude moi de tout ça là. Quoi vos conneries là? Quoi? Lesquelles? Non rien. Non mais des fois je parle tout seul. Eh, pas de soucis.
Pas de soucis, Rai. Springfellow est dans la place. Si tu n'aimes pas Soflo, ouais, tu vas aller dans le wagon. Oh. Bravo pour la circulation. Maintenant, il y aura des accidents. Ah, j'ai appelé la sécu pour un poteau cassé. J'ai combien de thunes sur moi? Ah bah je ferai un euro quand je tombe à quoi. Ah, arrête toi. Non. Non, ça va, j'ai 90 000. Ah mais moi j'ai de quoi faire avec 90 000. Oh, parti des putes. Bon sinon les amis, comment ça va? J'ai vu qu'il y a pas mal de monde ce soir déjà là d'entrée de jeu dans le live. Est-ce que tout le monde est dans la place? Est-ce que tout le monde est dans la place sur le chat? On va aller voir le peuple d'Altis. Bon bah, bon appétit à tout le monde hein, pour ceux qui mangent. Même ceux qui mangent des Mars. Ah! Les Vipers, je crois. Bonjour monsieur! Ça va? Oui, oui, j'attends juste que l'entreprise ouvre, voilà. Vous avez. Pourquoi j'ai ça sur la tête, moi? Excusez-moi, monsieur, hein. C'est une blague de mes sous-fifres. Bon, vous avez ramassé des diamants? Vous avez fait de la drogue? Ah, bah c'est génial. Non? Vous fumez de la weed un peu de temps en temps? Pardon? Vous fumez de la weed un peu de temps en temps? Ah, pas du tout, non. Ah, bah vous avez tort, hein, les bonnes. Ah oui, bah moi j'aime pas trop ça. Il y en a un peu plus, il y en a un peu plus loin là-bas là. Les effets c'est pas ouf quoi. Y'a personne dans l'entreprise? Bah non, c'est fermé en fait et j'attends pas ouvrir. Bon ben messieurs, afin de garantir votre sécurité, n'oubliez pas d'appeler la police en cas de litige sur la mine de diamants. Hein. Faites le 17. D'accord, pas de soucis. La police veille. Ah ben voilà, regardez, y'a le patron. Vous pouvez même me demander une petite prime. Allez, on s'en va. Au revoir monsieur. Au revoir monsieur, bonne journée. Non, j'ai plus le temps là, oui. Je voulais savoir si on a des infos sur des trafiquants d'armes. Est-ce qu'il y a une rançon ou ça se passe? Ouais, il y a une rançon. Vous connaissez le tarif ou pas? Non, pas du tout, non. Alors le tarif c'est ça. C'est quoi? C'est 5, c'est ça? C'est ça. D'accord, 5. Donc, les 5 doigts de la main. 5 doigts de la main, d'accord. Super. Non, mais en fait, c'est que mon frère a une information sur un potentiel trafiquant d'armes. D'accord. Et du coup, c'était pour savoir s'il y avait une récompense à la clé ou. Bien sûr, bah, comme je vous ai dit, le montant est aussi élevé que les 5 doigts de la main. D'accord, ok. Bon. Bah, du coup, bah, on vous rappellera. Coucou. On fera le 17 justement. Ah bah faites le 17 et demandez Dédé. Avec Dédé, tes doigts de pied sont jamais mouillés. D'accord, nickel. Allez, merci, au revoir. A bientôt, salut. Travaillez bien. Allez, gaz. Oh merde. Allez, c'est parti. Alpha. Bon bah d'accord, personne répond, on est au KLM, on est au calme, d'accord mon petit creepy. Les cobras, les Vipers qui ont... Bah les premiers sur place en fait, Ultimate. Donc à mon avis, bah ça va être moi encore. Je sens bien ce rôle. Quel rôle? Comment aller pour cette perte? Non, comment on dit un nom? C'est pas la longue des poches qui arrivent. Allez, peut aller, on t'appelle en longue. Lead Mike. Ah c'est moi le lead. Bah oui c'est toi le lead. Je t'ai dit tout à l'heure, tu vas me montrer ce que tu sais faire. Faut peut-être c'est les oreilles, c'est comme le cul hein, ça se lave. De Vapor Lead transmettez. Avec les mains fébriles de notre étude. Ah j'adore. D'accord, qu'il y a une lampe qui a été activée, qu'on n'a pas reçu de com. Ah ouais, ça fait. Ouais,
Oh, y a une voiture de la DC qui vient de péter un arbre. On s'arrête pour l'aider ou... Bah il est pas blessé, ça a l'air, apparemment ça a l'air d'avoir. Mais on s'arrête quand même. Pour l'unité qui essaie de transmettre. C'est CPA qui essaie de transmettre. Non, c'était... De Victor Lead pour CPA transmettre. Tu vois ? C'est pas mon CPA, c'était Cobra qui demandait. Okay. Je crois que c'était Cobra qui demandait les gars, c'était pas CPA. Ok, pour tous les Vipers, direction Sofia. Y'a Charlie qui est en train de vérifier si tout va bien avec la DC. Ouais, on y va, on y va, on y va. Ouais. Besoin de vous, Viper sur Sofia, il y a des... Pax. Il y a des Pax. Bon allez, on fonce sur Sofia, Viper Lead. C'est bien pris, je vais juste faire un crochet à la BA pour déposer l'équipe Doc qui fasse le Strider. Merci. Ah, c'est une bonne idée ça. Oh, oh. Vous êtes ouais. Tous au calme là, putain les mecs là, vous êtes calme sur le chat là aujourd'hui là, c'est bizarre. Imposant, tu prends trop ouais, de place. Ouais, tu prends trop de place. Ouais. Pourtant, je suis pas pour. Je dis vraiment pas ça parce que vous êtes commandant et que moi je suis une recrue. Non, pas du tout. Faut que je retienne vos noms là, bande de ta fiole. Quoi ? Hein ? Mais au moment où je poste ma candidate, tu pars chez Viper. Ah ouais, bah. Désolé les gars. Je suis désolé, hein. Pose ta candidate dans Viper. Change de nom. Change de nom, mais juste Viper. Tu verras, ça se passe bien dans Viper. Ah, ça se passe bien. Ouais, trop. Je suis trop content d'être là. On a des ordres à foison, on a 18 pages de com, c'est nickel. 12, pardon. Oh. Oh. Il s'est passé quoi? Bon. Bah, on m'a éjecté de la bagnole. Hey, wake up. Ah, les wake up, c'est bien beau, mais moi j'ai pas le temps. Pourquoi je... Je t'avoue qu'il n'y a pas tous mes amis chez Sierra. Il y a tous mes amis chez Sierra. Eh ben, je reste dans Sierra, mais il n'y a plus de place, hein, donc... Il se passe quoi là? C'est moi ou... On appelle un médecin? Salut Alex! Merci d'avoir follow la chaîne! Je pense que t'as pas eu mon message de tout à l'heure. Merci d'avoir follow la chaîne et bienvenue dans la famille! N'hésite pas à nous rejoindre sur Discord, tu trouveras tout dans la description en bas, en dessous de la chaîne. Et t'abonner sur YouTube pour voir les lives au petit déjeuner ou quand on a envie dans la journée. Je sais pas pourquoi je suis tombé de la bagnole, un bug certainement, à moins que j'ai fait éjecter. Mais je pense pas. Et là, j'ai l'impression que tout le monde s'en bat les couilles. C'est génial. C'est classe, j'aime beaucoup. Bon, le samedi soir, le serveur est déjà full, je crois. Ça se voit que c'est samedi. Hein. Donc voilà, bon, bah, je vais en profiter pour en parler. Bon, il y aura pas mal de modifications au niveau du serveur, des nouvelles règles. Pour ceux qui sont sur ALF, faites attention aux nouvelles règles. Beaucoup de règles qui ont changé. Beaucoup... Une mise à jour qui va pas tarder. Donc je vais pas vous dire ce qu'il en est. Mais ça va pas tarder. Beaucoup de modificatifs de gameplay. On s'oriente vers un nouvel RP. Putain, mais qui c'est qui me pop là? Qu'est-ce qu'on va faire d'autre Qu'est-ce qu'ils me disent tous là c'est un bug serveur ou un hack? J'en sais rien. Ah bah voilà, bon on a un hacker sur le serveur, voilà génial. C'est pour ça que je suis mort en fait.
Bon bah voilà. Bon bah on va faire une petite pause RP Arma. On va discuter entre nous le temps que le problème soit réglé. Alors excusez-moi, du coup, je vais devoir faire mon boulot d'admin. Du coup, on a un petit malin qui est connecté. Kalama, négatif, on n'a pas disparu. C'est bon. Mais c'est tout. On a eu un petit souci, ne te regarde pas. Annulez l'arrivée, Sophia. Annulez. Repartez à vos patrouilles. C'est bien pris. Bah non, c'est bon. Le problème doit être résolu. Du coup, ouais, nouvelle modificative d'ici peu de la mise à jour ALF, Altis Life France. On veut, voilà, les règles ont changé également, comme je disais. Et surtout, ben, on veut une expérience RP, du serious RP. Ça veut dire que ce que ça veut dire, on veut développer le RP, on en a marre des actions gunfight, à tir la foison, des traquages pour des trousses à outils, de l'anéantissement de familles rebelles et tout ça, ça va être terminé. On va se diriger vers du RP. Mais quand je vous dis RP, c'est RP, c'est un peu comme, je sais pas, pour ceux qui connaissent GTA RP, voilà, du serious RP, où les gens vivent leur vie, où il est difficile de faire du pognon. Et si vous voulez faire du pognon, il faut être discret, en fait. Voilà. C'est ce qu'on veut aussi. On va vous orienter là-dessus, nous, les administrateurs, parce que c'est quelque part notre travail, comme moi, j'ai fait depuis le début, hein. Je vous oriente dans vos actions pour ceux avec qui j'ai déjà discuté plusieurs fois sur TeamSpeak. Voilà, je vous n'hésitez pas à nous POC, nous les administrateurs, pour qu'on vous oriente dans votre RP. Bah voilà, je suis mort, c'est génial. Ensuite, il y aura des modifications sur... On t'entend à de crier. Sur... ouais, Ryan. Il s'est passé quoi là en fait là? C'est quoi ce délire? Qu'une idée, on s'est fait hacker. Je sais pas c'est quoi. Ah, tout le monde est mort. Ah, vous aussi? Ah oui, on est mort aussi. Putain. Ah, je des questions, nous aussi. Ah merde, je crois que c'était à moi. Je croyais que je me suis dit, je suis mort, ils m'ont même pas vu, ils venaient même pas me chercher. Mon véhicule. Moi, j'étais en vert. On dit merci de qui? On dit merci Dédé. Merci Dédé. Merci Dédé. Dédé est dans la place. Mais de rien, c'est normal, les gars. Bisous, bisous. C'est plaisir. Non, c'est une belle journée. Et là, ça va être le bordel parce qu'il y aura tout le monde. Coucou, ça va? Bonjour. Ah bah tiens, je voulais t'interpeller, toi, si tu tombes bien. Non. Bonjour. Bon, y a toute l'île qui va être là, quoi. Non, pas tous. J'ai vu des rebelles en train d'essayer de me ramasser avant de. Ah, ouais, moi aussi, on m'a ramassé. Bah, va falloir rembourser plein de vins, dis donc! Ouais, moi aussi je vais te rembourser. Y'a plus que 3 places. Quoi? Faites taxi? 2 places. 2, une place. Allez! Hop, nice. Donc voilà, C'est quoi les gars? Ouais. Et voilà, en gros, l'avancée du serveur qui va être là. Bon, bah, je confirme, y'a bien un cœur sur le serveur. Ça va être super génial. Je crois que j'avais glissé du véhicule. Je me suis dit, ils viennent même pas me chercher. Toi aussi, ouais. Enfin voilà, pour ceux qui. Pour les petites news, en exclusivité sur Altis Life France, on va s'orienter vers du RP. Du vrai RP, pas du RP Gunfight. Parce qu'il y en a marre du Gunfight. Parce qu'il y a trop de Gunfight, il y a trop de problèmes. Et on va mettre en place. Beaucoup de choses pour que les gens tiennent un peu plus à leur vie. Donc je vais pas rentrer dans le détail de ça. Mais ça va être un petit peu ça, quoi, en fait. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon, du coup, je vais faire comme je vais là-bas, puis je vais voir si les gens sont là. Ah, attention, mon commandant, vous avez fait une.
Ah, je t'ai raté. À toute. Du coup, ouais, bah, je prends une fin de service obligatoire, je reviens juste après une fois que je... Ouais, bah, j'arrive. C'est reçu. On peut venir te voir, Snip. Et tu es parti. Bon, allez, hop. Bon, bah, désolé, je vais faire mon petit boulot de... bon, d'administrateur. Je vous mets en pause. Enfin, pas en pause. On va faire du just chatting le temps que je règle le problème d'administration. Désolé, les gars. Avec tout ce qu'il y a dedans. Mais là, j'ai pas le choix. 80, même plus, ouais. J'avais une M14. Donc 200 000. 200 et 200, 400. Bon mot. Tu me dis quand c'est fait. Tic, tic, tic. Hop, tu les verras sur toi de toute façon. Yes, impeccable. Voilà, t'as reçu 400. Impeccable. Ensuite. Oh putain, fais chier. Moi, Douglas, j'avais un staff à 6 millions. Ma gueule. Non, je rigole, 100 000. Channel switched. Alors après à voir comment est-ce qu'ils ont pensé leur truc hein. Mais s'ils pensaient pour le libérer en vous abattant le fait d'avoir une négociation ou le fait d'avoir un otage. Non, moi j'étais en hélico frère et ça m'a éjecté de l'hélico, il y en a qui étaient est-ce que vous êtes dans le coma les gars? Moi j'étais coma mais je suis mort. Quand j'ai commencé à essayer de les soigner, je rouvre la map pour voir qui était mort. Il y avait 40 décédés d'un coup. Ils sont tous morts en même temps en fait. J'en ai sauvé deux, mais il y en a plus. À part un qui est hors map, mais je peux pas TP. Ok. Mais attends, mais là, il y a qui ça l'a pas fait sur toute la map. Bah non, si. Non, c'est la fait sur une partie des joueurs. Waouh. C'est bizarre parce que c'est pas par rapport aux emplacements, parce que de toute façon, vous étiez pas loin, Tommy. Hein. Vous étiez genre à 3 km de moi. Hein. Salut Jess, bienvenue à toi, merci d'avoir follow la chaîne, mon ami. Merci à toi, tu peux t'inviter aussi. Mais du coup, je t'invite. Ils savent pas qu'il y a un cœur. Ah bah c'est ici Odor, il le sait, il est mort. Comment ça va? Bon alors bah du coup c'est parti pour rembourser tout le monde hein. Non, enfin bah y'en a, j'ai réussi à les sauver moi perso. Salut Victoria, merci aussi à toi d'avoir follow la chaîne. Non mais c'est tous ceux qui étaient en véhicule, ils ont été sortis des véhicules je pense, c'est tout. De toute façon moi y'a la preuve, y'a le... Y'a au moins un rec aussi hein. Y'a le médecin qui avait screen moi. Il me voit, on me voit. Non mais... J'ai réussi à sauver les flics et des mecs de mon équipe, là, moi. Ouais, enfin, moi, j'ai sauvé personne. Moi, j'ai pas besoin de remboursement, si je peux juste on peut me TP ma voiture et puis alors j'ai tout dans... Elle est où ta voiture? Sur la grande route direction. Allez, sur moi, si vous pouvez le TP sur moi, je sais pas si c'est une commande qui permet de... Attends, qui c'est qui dit TP? C'est bon, je l'ai. Bon, je pense que t'as autre chose à faire, Anto. Qui veut TP? Jean Merguez, Laurie Smith pas, et t'as dit quoi Nico? Jacob Alvarez. Le bordel là. Ouais, j'ai deux admins. Bon allez, ouais, c'est bon. Hop. Allez, on va reprendre les parties. Nous. C'est une blague. Je peux rien mettre là-dedans. Bon allez, on se rééquipe les gars. Super. Génial. Bon, du coup, j'ai perdu du pognon. Qui a perdu du pognon là? Oh, c'est bon, j'ai été remboursé déjà. C'est bon, Mike? Ouais. Ok. T'as fait chier, on n'a pas de place dans ces radios longue portée là. J'ai pas le choix, faut que je conduise, putain. Pourquoi? Mais en fait. J'aime bien être en permanence sur ma carte quand je commande pour voir où sont les mecs et diriger la manœuvre. Normalement, c'est comme ça que ça se fait, quoi. Normalement. Dans la vraie vie. Je sais. Et on est dans la vraie vie, qu'est-ce que tu racontes? T'as connu de faire un jeu ici? Hein? Comment ça, j'ai passé le place? Pas de place. On prend quoi, Polo, c'est ça là? Oh, putain, je comprends rien. Votre tenue, c'est polaire. Polaire homme ou femme? J'ai pas de lunettes, hein. Du coup, gilet. Compliqué là, leur truc là, hein, d'équipement et tout ça là. Moi, je vais prendre ça. Sac à dos.
mettait quand même pas mal de trucs dans ce sac. Hein. Oula, ça bug. C'est bug. Pas mal, pas mal, pas mal ça, hein. Comme ça là. Je suis beau gosse ou pas? Ok, ça me fait plaisir de discuter avec vous les gars. M'entendez ou pas là? Ouais. Bon bah pourquoi vous répondez pas? Bah quand t'es en magasin on t'entend pas. C'est marrant ça. Du coup, chapeau. Putain, c'est compliqué de s'équiper, c'est trop long ça. Pour s'équiper. Celui-là. Salut la raclette! Merci à toi d'avoir follow la chaîne, bienvenue mon petit loulou. Tu peux aussi t'abonner sur YouTube et sur Discord pour nous rejoindre, pour jouer entre nous et en entrée communauté. Merci à toi mon loulou, bisous! Bienvenue! Oh, j'ai parlé vite là. Tu trouves pas que j'ai parlé vite là? Hein? Oh, fusil à pompe? Non. J'ai envie de prendre un fusil à pompe. Oh. Ah ouais, ça c'est bon ça. Alors, en arme. Faut que je trouve une arme maintenant. Intelligente et au cac. Une arme au cac intelligente. On est pas sniper nous hein. On prend ça. Silencieux, on s'en bat les couilles. Ça, on s'en bat les couilles. Ça, on s'en bat les couilles. Ça, on va prendre. Ça, on va prendre. AMS, ça, on va prendre. Oh, bah, c'est pas mal. T'en penses quoi, toi, Douglas? C'est nickel. C'est nickel, hein? Oh, bordelique. Vous aussi, ça part en coup ou pas, là? Non. CPA Gunner. Pourquoi j'ai encore 50 000 casques comme ça, là? Bah, du coup, je vais déconnecter de ça. Oh, c'est relou. Hop. Attention que je fasse. Hop là. Tourne en rond, général, il va commencer à tirer maintenant. Ouais. Ah bah regarde, ça va pas durer. Hop là. Ah. Attentat. On a rien vu, hein. J'ai vu quelque chose. J'ai pas vu. Il manque des pansements. C'est un peu la merde là, quand même s'équiper en Viper. Hein. Bon bah on est bien là. Ouais, on est bien. Allez hop. Après je suis commandant, bordel de merde. Exactement. Oh c'est une galère, c'est chiant. Allez on s'équipe le gen là, on met un peu moins de temps là s'il vous plaît là. Et on respecte le règlement du major hein. À lettre près. Oh merde. Et les voitures, allons chercher les voitures. Salut. Sexy and I know it. Vraiment sympa les pécules.
Oh là là, jackpot. Bah, putain, merci mon petit mec de ta donation. Merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Mais t'es complètement fou, mec. Mais t'es complètement malade. Qu'est-ce que t'es fou. Il a encore pris Mercedes. Ah, j'étais avec vous. Merci, Nec. Ça fait putain, là, tu me fais énormément plaisir, quoi. Merci beaucoup. Et du coup, grâce à toi, on se rapproche du strip deck. Merci, 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 merci. Merci beaucoup. Je sais pas. Putain, gros, je fais téléphone avec toi. Putain, la vache. Putain, Nec, t'as fait tomber la tirelire ou quoi, là. J'étais attribué avec vous, mon commandant a voulu que je sorte un véhicule. J'en ai un d'équipe, elle. T'es qui, toi? Dumas. Commandant, oh putain, qu'est-ce qui arrive à lui? Qu'est-ce qu'il a? Il paraît de défoncer la gueule avec sa voiture. Vous allez bientôt passer lieutenant-colonel? Ouais. D'ailleurs, est-ce que t'as déjà touché un lieutenant-colonel? Non. Non. Ah putain, j'ai oublié ma barbe. Merci, Nec. Franchement, là, tu me fais heureusement que je suis assis, quoi. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. D'ailleurs, ma petite modératrice va te passer. Maintenant, je vais le faire moi-même directement. Tant pis, il y aura peut-être un petit crash. Mais là, je suis obligé. Là, je suis obligé. Il arrive, commandant. J'arrive, les gars. Ça va, notre commandant, il y a tout fait mal. Oh, le nouveau. C'est ouais, hein. Le même grade. Ah ouais? Zadou FR. Le RCO, il est là, il va dessus. Et voilà mon petit Knek, tu es définitivement VIPs. Waouh, il a trop de la chance. Peut-être moi aussi. Ouais, mais bah, tu me l'avais déjà dit, certes, mais bon, là, franchement, ça fait énormément plaisir. Merci beaucoup. Merci. Franchement, merci à tous. Merci à tous de follow, de vous abonner, de faire des dons. Franchement, j'attendais pas du tout ça. Ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Quoi. Merci, merci à tous. Vous êtes géniaux. Non, je suis en bas dans le parking. Je suis content d'avoir une communauté comme la vôtre. Franchement, ça fait extrêmement plaisir. Merde. Oh putain, je vais crever. Oh putain, je vais crever. Ah. Admin. Ah. Je suis obligé. Je vais crever sinon. Ah. Vite. Attendez. Ah. Hop là. Ah, je suis obligé là. Ouh. Désolé, j'étais obligé. Sinon, j'allais crever. Vous êtes là? Ouais, on est là. Voilà, on se casse. Elle barbe. Quoi? Elle barbe. Ouais. J'ai fabriqué quand j'étais à Sierra. Bon, Dudu. Tu m'as mis avec le commandant. Mais attendez, commandant, vous êtes reparti chercher les véhicules ou pas? Non. Mais je sais pas, elle est partie où ta voiture? Bon, on va aller voir. Bouge pas, je sais où est-ce que je vais ramener ma voiture aussi. Je vais voir du coup s'ils y sont. Il y a pas mal de matos dedans. Ah, c'est là où qu'on était. Merci, Nairos. Merci, ça fait plaisir ce que tu dis. Enfin, ce que vous me dites tous. Hein. Franchement, même sur YouTube et tout, il y a des super commentaires qui me font extrêmement plaisir et qui me donnent l'envie de streamer. Hein, comme je dis dans la petite outro que j'ai créée, mais qui va changer parce que je la trouve pas top. Mais Douglas, vous êtes franchement. Douglas. On est une petite communauté, mais une très bonne communauté. Et c'est ça qui me plaît. Ça me permet aussi de partager beaucoup avec vous. Dans les bons moments comme dans les pires, hein, parce que des fois, il y a des ratés. Mais bon, l'essentiel, c'est que vous soyez toujours là, toujours fidèle au poste. Et je pense qu'on est une bonne communauté sur le jeu Arma 3 qui commence à disparaître de plus en plus. Mais on est toujours présent. Enfin, vous êtes toujours présent parce que le streaming ne marcherait pas sans vous. Et nous, on n'aurait pas l'envie de streamer sans vous. Donc, de toute manière, sans vous, ça ne marche pas. Merci à vous tous. À pied, toi. Alors vas-y, allez chercher les bagnoles, les gars. Non, on va partir de la BA, commandant, monter. Ouais, bah j'ai plus de place, vas-y, je vous rattrape. Il reste une place? Ah ouais. Commandant, il y a toujours une place. Toi, tu vas aller loin, toi. Mais oui, mais je le sais, comment vous croyez que je suis arrivé là, moi? Pas par hasard. Choupa choup, c'est super. Ah ouais. Ouais. C'est trop bien. Moi aussi, je vais avoir des super pouvoirs.
Bah t'en auras un jour. Et tu sais, comment on va... Eh, on peut tuer tout le monde avec tes super. Mais bon, c'est fermé. Ouais. Et même que moi, j'ai encore plus de pouvoir. Et t'as pas envie de savoir lesquels. Alors, mais attends, tu es malin, toi. Oui, il est malin, oui. Comme ça, on fait tout. Vraiment, la voiture sont là. Ouais, sont là, la voiture, regardez. La Mercedes, la Odor. Mathilde, on se voit une partie de toi. Attends, vas-y, on. T'as sauvé une partie de moi? J'ai sauvé qu'un truc à toi. Dis-moi que t'as sauvé ma cheveux, mec. J'ai sauvé tes cheveux. Ouais. Respect mon adjudant chef. Ah putain, il est où ma bagnole là? Oui, s'il vous plaît, y a mon hélico qui est là-bas. Elle est où ma bagnole? On a dû la mettre en fourrière parce qu'il y avait des problèmes de l'île et on voyait pas. Comment ça? T'as foutu ma bagnole à la fourrière? Au début, c'était le médecin qui voulait le faire. Ensuite, je lui ai dit non, je prends la responsabilité. Aspect. Désolé. Oh toi. T'as dû laisser le médecin faire du coup. Ancien chef de l'élite. Quoi, ancien? Putain, je suis toujours ton chef. T'as pas compris ou quoi? Benny, tu as exactement 3 jours pour écrire un poème à mon effigie et le citer devant toute la police. Ouais, bon courage. Bah, en fait, si j'ai un problème d'île, il faut vous emmener quelque part ou pas? Ouais, il faut à côté de raffinerie de fer, on a une voiture où dedans il y a du matos. Bon bah, c'est parti hein. Ouais, bah viens Benny. Quoi? Je t'explique en chemin. Hop, on va vous emmener dans une belle voiture. Une force maléfique qui nous a tous fait sortir de la voiture. Un voyage agréable. Putain, c'est magnifique. Là, j'ai le pont. Putain, faut que j'achète encore une bagnole. Putain, fait chier quoi. Ouais, c'est bon. Merci Wizard, bienvenue à toi mon petit Wizard sur la chaîne, merci d'avoir follow. Tu peux aussi t'abonner sur YouTube et sur Discord pour nous rejoindre, pour jouer les jeux entre la communauté. Tu trouveras tout dans la description d'en bas et sur YouTube pour revoir tous les beaux lives et tous vos jolis commentaires de chat sur YouTube. Merci à vous, merci à toi, bisous mon loulou, bienvenue. Yo Pazmaz, comment ça va? Bienvenue à toi. Salut Nico, comment tu vas? Salut Didi, Didi Kiki, bienvenue à toi comme les précédents. Merci d'avoir follow la chaîne, merci à toi d'être présent. Tu peux aussi t'abonner en bas sur Discord et sur YouTube pour revoir les lives et les gameplays de mes délires, de mes conneries à longueur de temps. Donc voilà, merci à toi, bisous mon loulou et bienvenue. Alors Nico, non, j'ai quitté absolument inhumaine et... Excuse-moi, j'ai pas envie de te parler en fait. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus ce que je voulais dire. Non, je suis plus ira provisoirement. Parce que parce que il faut remonter un petit peu l'unité Viper, donc on a pensé à moi, ça me fait plaisir qu'il pense à moi. Donc du coup je suis Viper provisoirement. Ouais ouais, bah bouge pas, regarde. Hop là. Savoir comment choisir un casque chez Sierra. Un casque. Un casque, oui, parfaitement un casque. Ils te font un casque? Enfin, en fait, comment on choisit un casque? On prend une arme de DB, on voit si elle résiste au choc. Exactement. Et si ça marche, on le prend. Exactement, t'as tout compris. Bah non, parce qu'on peut se faire faire. Mais quand le début. Allez. Allez, salut. Putain, je suis blindé de pognon là. Oh, ça va. Ah merde, c'est moi qui ai les clés. Voilà, la 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 la. Ah, du base. T'as une trousse, t'as une trousse, t'as une trousse, t'as une trousse, t'as une trousse. Moi j'ai pas de trousse. Ah, y'a pas de place dans la voiture. Bah pourquoi on est trois maintenant? Ouais, il m'a ajouté avec toi. Oh putain, t'es en train de dire. Whisky, whisky, whisky. Non, non, il a. Ah, c'est Babis. Ouais. Je sais que c'est Babis. Ouais, j'ai compris. Putain, faut que je rachète une bagnole quoi. Vous voulez quoi? J'ai des choix, commandant. Ouais, t'as quoi? T'as une Ford Focus? Ce que vous voulez. Attends, je vais mettre dedans par contre. Qu'est-ce que vous vous en, vous commandant? Bah prends une voiture 4 places, ouais. Et j'ai plein de trucs, genre si vous voulez une session 3, ouais je reprends une session 3 du coup. Ouais reprends, ouais reprends. J'ai 11 millions, je sais pas.
j'ai la BM équipée si tu veux. Comment tu vas regarder ça? C'est trop de pognon ça. Trop de pognon. Bientôt 250, t'as beau. Ah, dommage. Tricou et toi? Bah, ça va nickel, Pasma, merci. Bientôt 250 followers, ouais, effectivement. Effectivement, on atteint bientôt les barres, plus que 7. Les barres? Ouais, effectivement, mon petit Narios. Bon, effectivement, bientôt 250, plus que 7 followers, et on atteint les 250. Et après, on va monter à 300, voire plus, j'espère bien. J'espère bien qu'on va accéder à avoir une grande et bonne communauté. Bravo, Fred. Bah, du coup, il faut que je remette la radio, quoi. Putain. Oui, moins que Sapristi. Sapristi, t'es sur la fréquence? Il est où, Sapristi? Peut-être qu'il s'envole partout, là, encore. 7. Ouais, je vais vous dire où il est. Ah ouais, il est avec ouais, il est au niveau de je lui ai envoyé un message, bougez pas. Merde, je l'ai appelé comment? Bon, tous les Vipers sont présents dans la place ou bien? Non, il y a un Sapristi qui s'envole. Oh putain. Là c'est Sapristi. Non mais j'ai le voir, il est en train de me casser les chiens. Qu'est-ce qu'il est nul! Oh putain! Pour tous les Vipers qui sont prêts, vous sortez de la baie à côté sud et vous mettez en colonne de véhicules prêts à partir. Dès que tout le monde est là, on y va. On revient, on va faire un petit passage pour mettre la vitesse. Oh putain! Dépêche-toi, t'attends! Oui, Eh, au pire des cas! Eh, au pire des cas, avancez et ça apprécie, il se remettra sur nous là où on sera, tant pis. Ouais. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Dudu? Qui c'est du. Moi j'en ai 3, c'est normal? Fréquence 2, là c'est bon. Dumas? Je suis pas ici. Dumas! Sa fille qui crie encore. Dumas! Sa fille écrit pour l'instant. Ouais, vous inquiétez pas, de toute façon il va arriver d'ici peu de temps. Oh merde, on peut pas l'éjecter. Tu trouves pas que je suis beau gosse quand même? Vous êtes vraiment le plus beau. Le plus beau, le plus fort, le plus con. Ah. Salut Varion, bienvenue. Comment tu vas? Parce que là je suis sous l'émotion de tous ces nouveaux followers et donateurs. Donc, chanter... Et abonnés. Je suis sous l'émotion. Comment tu vas? Écoute, moi ça va. Ça va bien? J'ai pas de travail, je suis assis bien, je suis policier, je suis recruté dans la police. Ah oui. Moi je passe une excellente journée. Et toi? Moi je t'as une copine? Ouais, c'est une femme. Incroyable. Ah, tu me présentes? Non. Pourquoi? Je sais pas, parce que c'est la mienne. Elle est où, ma? D'accord. Ah. Tu partages un peu ou pas? Non, pas trop. Genre okay. Ça suffit. Oh, t'es chiant aussi toi. Tu sais qu'on est une grande famille dans Vipers. Mais Loki de Hawkeye. Tout ce qui est à toi est à moi et tout ce qui est à moi reste à moi. Hein? Vous venez avec le général ou le général est occupé? On arrive là. Ok, bien pris, on vous attend dehors. Alors, on ira direction Pierre Gosse en passant par le vendeur de pétrole. Bon, allez, c'est parti. Redfield, t'es prêt? Ah, c'est un Sapristi qui conduit bien. Doc, est-ce que t'es là? Docteur, il me semble que vous avez perdu votre cœur, docteur. Prends-toi le cul, bordel, docteur. Bah, laissons-nous discuter. Ah merde, j'ai oublié d'acheter un truc. Ah non, je l'ai acheté. Regarde ce que j'ai acheté. Ah! Test? Je suis fort. Allez, direction Pierre Gosse, itinéraire vendeur pétrole. Mais t'en avais pas, non? Ah bon? Ah merde! Ah oui, c'est vrai, là, t'as disparu dans la voiture de. Bah où? Pierre Gosse. Smoke. Tu lances pas de smoke. Pas de phare moi aussi. On est obligé de mettre les phares ou pas, commandant? On s'en bat les couilles. Bien reçu, mon commandant. Très l'exemple, c'est bien.
Oui, exactement. Ah là, comme mauvais, mauvais. Numas, t'as pas de la musique? Oh, qu'est-ce que t'as fait là? Rien, c'est pas moi. Vous aussi? Attends, j'ai attends, attends. Attends, y'a un mec derrière, y'a un mec derrière, y'a un mec derrière. Y'a un mec au sol. Un mec qui fait du moonwalk. Bonjour, c'est la modération. Tenez-vous distance, les gars, pour éviter ce genre de problème. Ah bah, y'a vas-y, avance, 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 avance. Espèce de hacker à deux balles. Bon bah voilà, j'ai défoncé le hacker. Jean-Philippe de la tapis. Hein. Bon bah voilà, vous avez le hacker devant vous en fait. Hein. Le hacker qui traîne sur le serveur depuis tout à l'heure pour ceux qui étaient là en début de stream. Donc voilà, c'est lui le hacker en fait. Il nous a TP sur lui et là bah il est... Vous pouvez pas faire ça deux jours au moins. Putain l'enculé. Ah il a eu le temps de faire ça la race 2. Ouais, pareil, à poil. Et me noté. Il a foutu à poil, on doit se réquiper. Ah putain, il est casse-couille. Oh bah. Super. C'est génial, hein? Salut Zyglion, bienvenue à toi! Bienvenue au moment où je suis à poil et menotté par un hacker. Bienvenue dans le meilleur des moments du stream de la vie, de la mort qui tue sur Aleph. Franchement, ça dégoûte, ouais. C'est des mecs qui pourrissent le jeu des autres, c'est. Quelqu'un peut me démenoter s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut me démenoter s'il vous plaît? Allô? Tu me noules, c'est normal. What? Allô? Quelqu'un m'entend? Oui. Quelqu'un peut me démenoter? Tu penses à mon... Ah bah c'est bon. À côté de moi, Cédric. Bah oui, mais je suis démenoté. Bon, allez, je vais faire de nouveau. Non, t'es pas menoté. Ah. Oh putain, ça continue quoi. Oh là là, c'est chiant. Oh, il est casse-couille. Ouais. Ah bah, plus d'FPS aussi. Ça souvent. Tout le monde est à poil. J'ai l'impression que c'est revenu là. Ouais, bah. Vas-y, range ton. Prends un screen de ce que t'as dans la voiture avant de la ranger au cas où. Vas-y, avec des gens. C'est terrible, hein. C'est casse-couille, hein. Ah, bah, bah, Stark. Ah, putain, j'ai... attends, je reviens, j'ai tombé comme là, c'est trop de radine. Bah, c'est quoi le mieux? Ah, putain, j'ai plus de carte, c'est chier. Elle m'a tout vidé, hein. Ah, mon commandant, j'ai arrivé, je vous appelle, là. Je peux pas faire de la magie sans carte. Ouais. Non, c'est lui qui a pas dit le tien. Oh, oh comment, je suis beau gosse, à poil, ah ouais, sexy, à la mon commandant, je serai votre femme, elle vous appelle. Ouais, je crois, ouais. Eh ouais, qu'est-ce que vous voulez les gars, c'est comme ça, malheureusement, il y a toujours des imbéciles sur n'importe quel serveur. Oh, c'est stylé avec ta petite couette là. Et là en particulier lui, c'est super casse-couille hein. Donc moi on aura vu un commandant. Comment les gens peuvent prendre plaisir avec ça? Ouais, bah franchement, c'est clair. Je suis d'accord avec vous, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, il y en a toujours qui veulent s'amuser, après qu'ils voient que leur hack marche et ils le revendent sur internet à 200, 250 balles, j'en sais rien. Ils font ce qu'ils veulent, mais là ils découtent à la fois les joueurs, le serveur, vous qui, nous les streamers qui streamons pour vous faire plaisir,
Vous qui regardez les streams, en fait, ils baissent tout le monde, en fait. Merci. Et franchement, c'est super casse-couille. Il y a pas de panneau. Go vous mettre dans le channel de problème. Gazé, t'as pas droit. Gazé, je vais me faire rembourser, moi. Non, ceux qui sont là, restez ici, là, je vais vous rembourser, moi, ça va aller plus vite. Ouais, présence. Alors moi, j'ai 400 millions de stuff. Ouais, il est toujours à poil. Disez-vous, dites-moi chacun un peu, là, ce que vous aviez. 550 000. 300 000 de stuff. 300 000 de stuff en policier. Quel mytho. Mais quel mytho. Incroyable. Je suis pas mytho. Vraiment. Non, je sais même plus en fait. T'avais quoi? Vas-y, vas-y, ouais, venez, pour les autres là, pousse-toi toi. J'avais une Spar CZS. Allez, venez les gars. Venez à l'autre panneau là, ceux qui veulent comme ça. Non, 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 évite de le faire, toi. Moi, je fais pas de. J'avais une Spar CZS et. Oh putain. Allez, venez les gars. Venez les gars pour les autres. Ok. Pépito Rio. Ensuite. Tout le monde s'en fout. Bah, allez vous faire foutre alors. Il va distribuer les billets d'un coup à la volée. Ah, pareil pour Johnson. Aïe! Franchement, c'est pète bonbon en fait son truc, là, son AK là, de balles là. Hyper chiant les mecs qui dédos. Mais là, c'est pas du dédos, Victor. Hein. C'est carrément un hacker. Hein. C'est quoi ça, sérieux? Bah, Bazmaz, voilà. Ouais. Je sais pas comment on peut avoir la présence d'esprit. Bah, ouais, je sais bien. Si vous voulez que je vous dise, les gars, c'est pète bonbon en fait. C'est un mec, je sais pas moi. Je sais pas. J'arrive pas à comprendre. Non, je suis pas mute là. T'es mute? Si, je suis mute. Mais non, je suis pas mute. Pourquoi vous dites que je suis mute? Je suis pas mute là. Vous m'entendez là, non? Ah non, on m'a entendu éternuer, c'est bon. Bah oui. J'étais pas mute là, merde. Putain, sans déconner. Ouais, je sais pas, c'est chiant. Bon, c'est pas grave, hein. À mon avis, c'est pas fini. On va encore en avoir d'autres ce soir. Vu hein. Comment c'est parti la soirée. À mon avis, on va y avoir droit. Du coup. Du coup, on va. C'est Théodore ou pas là? Bah ouais, c'est le risque hein, de se rééquiper. Hein. On va pouvoir jouer tranquille sans être emmerdé. Ce serait pas mal quand même, ouais, non? Qu'est-ce qui t'arrive, tout ou pas? Pardon. Oh, c'est Joe Labelle. Hey, c'est Joe Labelle. Oh putain, capturez-le, il a des informations. Il a dit quoi? Il y a un keuf pourri. Viens là, raclure. Je vous viole tous. Oh, énervé. Oh, on peut voler un véhicule près d'un garage s'il y a personne. Bon, Ryan, t'as rien perdu, t'en fous. Ouais. Dumas, c'est bon. Mon pauvre monsieur Springfield, il vous respecte pas. Ouais. Non, mais une game. Je vous ai revient sur le serveur, mais quand. Ouais. Je sais pas. On peut voler un véhicule près d'un garage s'il y a personne. C'est où? Ça dépend quel garage. C'est à Kavala, non? Si c'est à Kavala, c'est niette. Si c'est dans un autre endroit, oui. Non, mais je vais en rembourser. Salut Spark. Eh, ça va, Joe Labelle? Laisse-moi te chanter. T'es jaloux. Oh. T'es jaloux. Je t'en fais rien, jaloux de quoi? J'avais pas vu. Du coup, faut racheter une carte, une boussole, un GPS, un télémètre, un téléphone, une radio. Je vais voir que j'en ai acheté une. Un clochard, sérieux. Et mes oh. Alors là. La boussole, faut vraiment la racheter. Oui, c'est vrai. Bah, par contre, j'ai la boussole. Faites péter une carte, les gars, s'il vous plaît. Rien du tout, te faire foutre. Non, j'ai rien. Tiens, ici, sur moi, tiens, t'as fait l'erreur de te casser ici, toi. Bon. Et la violence, quand même, chez les hôtesses. J'ai allé de l'autre côté d'un coup, tu vas comprendre. Salut, ravitailleur, merci à toi, bienvenue. Bienvenue sur la chaîne, merci d'avoir follow la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. Ouais, il a été banni. Ouais. De quoi? Attends, j'ai pas entendu. Tu m'as dit quoi? Allez hop, mais ça a pris si la vérité. Ouais, la première fois c'était le même. Ouais, ça a... Là, il a été ban. Le temps qu'il revienne, ça va durer un petit peu de temps. Ça va durer un petit peu. Pour la peine, je vais prendre un lance. Ça va racaille. Ça va mettre un peu de temps, le temps qu'il revienne. Du panneau, s'il vous plaît. Ouais, tu vois. Accessoire. Je pense qu'on va être tranquille. Une flash. Bah normalement on a dégagé le mec donc ça devrait être bon. Normalement. À moins qu'il soit 7 les mecs. Mais là je vais te marabouter. Il s'enfuit, il s'enfuit. Bah t'es sans sommation. C'était une blague. Moi j'ai trouvé ça drôle moi. C'est ok. Bah justement c'est le but d'une blague mon commandant.
si vous me trouvez drôle, ça veut dire que j'ai que je réussis bien. Alors non, pas une entreprise. Alors une entreprise, c'est une zone safe. C'est marqué dans le règlement, Jess. À l'extérieur de l'entreprise, oui. Dans une entreprise, non. Au prochain coup, on va des droites. On commence. Bon, du coup, est-ce que je vais y arriver là ? Qu'est-ce qui me touche le cul là ? Pas moi. C'est moi, mon commandant. Je suis désolé. Ah, mais j'aime bien, vas-y. J'essaie de me frayer un passage. Je peux mettre un doigt ? Ouais, ça y est. J'aimerais me plaindre de. Oh, ouais, ah. Ça. Ça, c'est à cause. Ah ! J'aimerais me plaindre parce qu'en fait. A12, hein. Je t'ai raté. En fait, c'est qu'il est pas RP, je l'ai tasé. Par quoi ? Pas RP, je l'ai tasé, il s'était plus à l'angle droit, t'es tasé. Ah la vache, putain, ça envoie du steak cette arme. Ok, pas. Quoi ? Comment ça, ça a pris ce timon ? Et je vais le je vais m'abouder. Oui ? Tu vas bien ? Oui. Hein ? Bah ouais, mais. Putain, fait chier putain de s'équiper pendant 15 ans là, c'est casse-couille là. Bah non, trop bon. Ah voilà. Comment atterrir de l'autre côté très vite. J'ai planté aussi. Là. Salut Tom, merci à toi d'avoir follow la chaîne comme les précédents. Mais je t'invite à t'abonner sur YouTube que tu trouveras dans la description en bas pour revoir les lives et les gameplays sur différents jeux et de LF. Et sur Discord pour nous rejoindre pour des jeux communautaires et jouer entre vous ou ensemble. Voilà, voilà, merci à toi Mouloulou, bisous, bienvenue. Bonjour monsieur, est-ce que vous avez une information pour moi s'il vous plaît? Je voulais faire quoi là? Je voulais faire un truc, je sais plus quoi. Ah oui, putain, la bouffe. C'est la case des papiers. Attends, attends, tu peux faire une marche arrière pour les réponses. Comment? Vas-y, dites-moi, je vous écoute. Il y a personne derrière. Ok, moi c'est Casa les Pavel. C'est Yep. Je vais vous soigner parce que vous êtes quand même blessé. Ok, Pépito. Pourquoi? Je vous libère, je vous libère. Je vous libère, je vous libère. La plus grande manœuvre. Merde. Hop. Putain, j'avais 4 millions, ça. C'est dommage pour vous, vous allez rester bloqué là un petit moment, monsieur Pépito. On va faire ça. Hop, au revoir. Y'a un gros là, ici, attention. Sapristi, viens m'aider. Bon allez, on bouge ou quoi là? C'est bon, vous équipez, on bouge les gars. Odor, j'ai besoin de toi. Donc le problème est réglé. C'est pareil avec les champs. Odor, j'ai besoin de toi. Je sais pas si je suis prêt. Salut. Il défonce. Tu vas plus aux soirées? Quoi? Tu vas plus aux soirées? Pourquoi tu viens plus aux soirées? Bah, tu m'as jamais appelé. Hein. Non, mais il est là, Odor, viens. Viens, il est là, celui qui est bloqué. Putain, je fais des tours sur moi-même, je vais commencer à avoir mal à la tête. Ah bah il tourne, qu'est-ce qu'il a bizarre, hein. Bah je sais pas, il est comme bloqué. Je suis là gelé, t'es vraiment une raclure. Eh, moi on me note pas, hein, mon méo. Eh, je cours parce qu'après je vais m'en prendre une, je vais pas comprendre. Bon. Ah ouais. C'est du direct. Bah bien sûr, c'est quand même, c'est du direct. Je suis toujours en direct de 20h à minuit. Du coup, plus de whisky DD. Bah non, du coup, il y aura plus de whisky DD en musique de fin. Désolé. C'est du direct. Ouais, c'est quand même. J'ai du direct, regarde. Voilà, c'est moi. C'est bien moi. Et le hack du surf, ça concerne pas les flics. Bah si, ça concerne les flics. On est administrateur, donc oui, ça nous concerne. Mais les flics, on s'en fout. C'est le staff et je fais partie du staff, mon petit Scarven. Je suis administrateur. Bon, allez, c'est parti ou quoi? Ouais, pas de soucis. On va pouvoir y arriver ou comment ça se passe? Écoutez mon commandant, bien sûr. Sapristi, tu reçois? Sapristi, tu reçois? Il me manque Sapristi et l'équipe Adimers. Et il manque Douglas aussi. Vous avez raté le meilleur. Abattu, abattre un AK. Un AK. Abattre un cœur en live, en direct, sur Twitch, avec un chargeur complet de 150 balles. Vous avez raté ça, les gars. Non, Trunks, mais il y aura d'autres conneries, je te rassure. Il est où, Major? Là, Major? Présence. Oh putain! PK. Eh ben, Dudu. Ouais. Tu prends la place de Dumers à Charlie.
Ok. Tu seras avec Beloki. Putain. Beloki. C'est bon, donc j'ai trouvé ce qu'on peut alors utiliser. Non. Alors attends, Beloki là, la Beloki, Belucci, Belochette. Ah non, moi. Bon, italien, comment on fait pour couper ça? Parce que si c'était italien, pour dire Belucci, il faudrait que ce soit signe. Là. Alors, je suis peut-être mieux en français, mais en italien, je suis un peu géré. Non, mais il est peut-être italien, mais il est surtout bien con. Enfin, aussi, si merdique. Donc, non, c'est ah, bah, y'a Sapristi, Sapristi. Ah, dépêche-toi, Sapristi. Dépêche-toi. Sapristi. Je suis prêt, ouais. J'ai Sapristi qui est là. Là, bravo, ils sont prêts. Redfield, t'es prêt? Bon, allez, on est... allez, c'est parti, les gars, là, on se bouge! Allez, c'est parti en avant. Ah merde, bah non, on peut pas. Quoi? Putain, j'ai plus rien, j'ai plus de cartes, j'ai plus rien. Voilà. Il manque toujours Douglas. Attendez, il y a Bravo qui a un petit souci. Putain, il m'a tout piqué cet enfoiré en fait. C'est bon, Douglas, il est au niveau trader, j'attends juste le commandant et c'est bon pour partir. Alors, carte, boussole, GPS, tac, téléphone et radio. Ah. Ouais. Comment ça, j'ai passé l'argent? Comment je suis beau gosse? Tu crois franchement que t'es beau gosse? Un beau gosse. Ouais, t'as raison. Je suis un beau gosse. Un beau gosse. Tu. En attente. J'ai un beau gosse. Okay. Ouais, c'est le gaz. Maintenant. Bon, je vais y arriver à force. Putain, c'est casse-couille, hein. Ça va pas, je pense. Ouais, ça vous dérange pas, je vais casser pour... Je vais couper pour récupérer l'équipe, commandant. Tu vas quoi? Couper. Couper quoi? En tant qu'admin sur le serveur, vous avez des heures pour vous occuper des problèmes et des heures pour jouer? Non, pas du tout, on fait ce qu'on veut. On est libre de faire ce qu'on veut. Moi, par exemple, je fais les problèmes et problèmes d'administration l'après-midi en début de soirée. Et après, moi, je joue de 20h à minuit obligatoirement. Il y en a d'autres qui règlent les problèmes en même temps qu'ils jouent pour ceux qui ont des problèmes en ligne. Moi, par exemple, quand je joue, je règle pas de problème en fait. Et je règle le problème tout le long de la soirée, tout l'après-midi. Ou quand je joue à un autre jeu. Quoi, vous jouez à des jeux? Je crois ouais. Que le faire, ouais, arrive, vous êtes un gamer, commandant? Ouais, je suis un geeker. Geeker. Ouais, j'adore les petits canards jaunes qui vibrent. J'adore ça. Pas ça être gamer. Hein. Donc, vendeur, pas gamer, ça pas ça être gamer. Reçu pour ah merde, moi je croyais. C'est un sexophile. Okay. Avant d'aller à Pyrgos, on va aller checker la fabrication de cigares. Si à mon avis il y aura pas grand chose. C'est sûr qu'il y a des problèmes de vie. Mais c'est un mec qu'on a ban un jour le hacker là, c'est quoi là en fait? Attention, j'ai pas regardé. Du ban. J'arrive pas à comprendre entre l'autre qui. Enfin... Oula! Oula! Vous avez bien ça? Ouais, il s'est passé quoi? Il est parti à gauche. Et du coup, pour vous expliquer, mon commandant. Oui. Je suis quand même à peu près suivi ce qu'a dit le major tout à l'heure. Ah bon? Tous, on se met en place. Bravo, en appui d'Alpha. Charlie, vous mettez un peu plus loin, en appui sulfateuse. Et Doc en retrait, prêt à intervenir. On reste pas comme des frutos. Du coup, c'est Alpha au contact. Suivant Charlie. Et nous, on protège Alpha. Alpha au contact? Ouais, Alpha c'est la première voiture, c'est Okai. Pardon! De quoi? Et nous on est là pour les protéger. Derrière il y a Charlie qui est en batteuse, donc il est là pour. Oh, il y a un lapin là-bas. Ouais. Et après il y a Doc qui est en trailer. D'accord. Et? Voilà, c'est tout ce que j'ai. Moi bah, je m'en fous. Je suis mon commandant. Ah, je bon. Vous aime bien mon commandant, je vous aime. Je m'en branle un peu. Hein. Donc pour tous, véhicule Alpha réparé, reprise de la progression, itinéraire inchangé, ordre des véhicules Alpha, bravo Charlie Doc, terminé. Oh. Et terminé.
Merci. Merci mon petit Jess. Non, j'ai pas. Non, j'ai reçu des messages encore. Pareil. Ah, Priscinus arrive avec. Quoi ? Priscinus avec Anus. Oh, non, pas du tout. Non, Romulus. Ah. Vous me recevez, Viper ? Oui, transmet. Affirmatif, on reçoit. On est que deux cobras, est-ce qu'on peut venir avec vous ou pas ? On n'a pas de. Question. Affirmatif. Affirmatif. Ouais. J'ai connu un sapristi à l'époque. Oui. C'est bien vous ? Affirmatif. Oh bordel de merde. Quoi ? Vous allez ramasser les sapristi. Oh ouais. Alors, RS, fabrication. Donc fabrication de cigares clean, on va aller checker Doré. Reçu pour Charlie, n'oubliez pas qu'on avait Strider avec nous pour la vitesse. Ok, bien pris. T'inquiète, on va pas très loin, on va créer une petite arrêt à Dorida pour ta. Donc pour tous dans Dorida, quand on rentre dans Dorida, d'une manière générale, quand on rentre d'une ville, je veux pas qu'on se suive à la queue leu comme des idiots. Donc chacun prend une rue et rentre dans une rue différente, on fait le tour et on se rejoint à la sortie. Est-ce que c'est reçu? Reçu pour Charlie. Parle fort dans la radio lui, non? Donc Alpha prendra la première rue, Bravo la deuxième et ainsi de suite. Et s'il y a que deux rues, du coup le troisième. Le point de rendez-vous, c'est le garage pour tous les véhicules. Allez, casse-toi, c'est ma rue ça. Dégage. Quoi ? En direct de ma rue. Donc pour les Vipers, on attend le Strider. Une fois que le Strider nous a rejoint, on ira pire gosse. Et c'est vrai, il y a le Strider là, doucement. Bah oui, hein. Tu comprends bien, mon frère. Mais pourquoi on sent pas plus de Strider? Ah, reçu pour Charlie. Reçu pour Doc. Je sais pas. Je vais laisser faire 2-3 jours, je vais regarder comment il gère et après je vais m'en occuper. Génial. Faut pas rester sur une première impression. Non, mais non, moi c'était des questions, c'est vraiment en plus comment c'était fait avant et comment c'était fait plus tard. Bah, Strider, on les sortait uniquement quasiment en OP quoi. Ouais, mais on est en guerre, on est en guerre, merde. Bah, oui, non, mais je suis d'accord. Mais je pense qu'on va mettre des tenues dans le Strider. Comme ça, on n'a pas besoin de les avoir sur soi, on peut mettre plus de chargeurs et on peut s'équiper dans le Strider. Ah, mais ça aussi, genre, tu vois, genre. Dès qu'on est là, tous la même tenue. Ok, d'accord, ça c'est logique. Oh, donc pour Pyrgos, même chose, chacun prend une rue différente et le point de rendez-vous une fois que vous avez fait votre tour, c'est le garage, toujours pareil. Le garage ou comment ça se... Le garage. Le garage qui est à l'entrée de Pyrgos. Donc moi je me dis, genre, on a plein de gilets différents. Tout le monde peut prendre un petit peu près son style, tu vois. Ouais. Sans pour autant être vraiment différent, genre chacun la même tenue ou des trucs comme ça. C'est ça. On aime ça. Ouais, c'est ça. L'armée, quoi. Bonjour, monsieur. Salut. Alors, ça va? Ça va bien, vous? Ouais. Alors, c'est bon, t'as vu le signal ou quoi? Ouais, il y a le hibou sous le clocher, normalement. Ouais, il y a hibou sous le clocher, regarde, avec tes jumelles. De Alpha, c'est bien pris. C'est du foutage de gueule dans les autres. Non, mais regarde, sérieux, regarde, t'as jamais eu, regarde. Ouh, tu vois, il nous appelle en plus, regarde. Alpha, on va aller les appuyer en attendant. Allez, regarde.
Non mais prends tes jumelles, non tu regardes pas, t'as pas tes jumelles, tu regardes pas là. Est-ce que vous avez des jumelles monsieur déjà? Non j'ai pas de jumelles. Si si, il les avait à l'instant. Non j'en ai pas monsieur. Si, t'as un télémètre. Non. Si. Ah vous voulez regarder? Oui. T'as des jumelles, foutez pas de ma gueule. Allez, regarde. Allez. Ah ouais, sur le clocher. Voilà, regarde sous le clocher. Donc, c'est génial hein. Mais là à chaque fois que tu viendras ici, tu regarderas le clocher, tu penseras à moi. Allez à plus tard. Je continue route principale, je passe zone nord. Affirmatif. Ok ok. Ok pour tous, reprise de la progression dans le même ordre qu'initialement. Qui est parti. Ah ils ont du mal hein. Quoi? Jouer. Les gens à discuter. Ouais ils ont du mal à discuter déjà. Bah c'est surtout les filles en fait. Ah aussi. C'est justement la faction où on peut se permettre de faire plein de trucs comme ça tu vois. Bah oui. Bah bien sûr, je suis entièrement d'accord. Vous en pensez quoi vous les amis? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, la MIF? La famille? La MIF? La famille? MIF, ça fait racaille, non? La famille? La MIF? La MILF? Ça fait vieillir. Ça fait un peu vieillir. Je vais éviter. Oh putain, je suis coma. Ça, vous allez bien devant? Ah, puis pourquoi? Il y en a quelqu'un qui s'est caché. Des gens qui sont en coma. Putain, mais c'est quoi cette unité, quoi? Salut Anton la nuit! Bienvenue à toi, mon petit loulou de LF. Tu peux aussi t'abonner sur YouTube pour revoir les lives et les accidents que je subis tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui sont jamais de ma faute sur le serveur. Merci à toi! Bisous, bienvenue mon loulou, bienvenue dans la famille. Ah ouais? En général. Bah, y'en a qu'un seul de médecins. Bah, je pense, je sais pas. Peut-être les gars sont restés connectés ou ils en ont peut-être ras le cul du hacker. Mais ça va pas nous empêcher de jouer, hein. Tu vas devoir acheter ton équipement. Non, mais arrêtez vos conneries, les gars. J'espère pas, quoi. J'espère pas. Hein. C'est bon, ça fait 4 fois que j'achète. Hein. J'espère pas, putain. Arrêtez vos conneries. Ça servira à rien, mais. Garo, à la limite, à Garo, mais. C'est tout. Mettez Garo s'il s'en manque une D5. Je vais remettre un petit bout de hop là. Putain, sans les conneries. Soit le véhicule casse parce que c'est pas de ma faute, soit il y a des comas, soit il y a du hacker, mais c'est la soirée en fait. Hein. C'est la soirée des cartons quoi, c'est chiant, hein, mais c'est comme ça. Les gars, mais en plus, ça ne... Vous avez... Mais il y a Cédric, comment chargez-le dans mon véhicule, vite. Vite. Vite, chargez-le. Allô. C'est les cobras là ou quoi? C'est bon. Tesla, c'est bon. Ouais, j'ai ouais. Le véhicule, on les... Allez-y, les gars. Allez, l'unité. Si tu crèves, tes collègues sont mauvais. Mais non, parce qu'en fait, c'est mort d'un bug, donc. Et ta conduite est approximée. Ah. Bienvenue dans la petite bourgade de Sofia. Putain, mais sans déconner, quoi. Ah, c'est relou ce soir. Hein. Ouais, c'est chiant, hein. Des couilles. Cherchez-le dans la voiture. Ah ouais, ils ont mis 20 ans, j'avais, je me demande. Ils ont mis 15 ans. Quoi. Je connais un petit endroit, Iraklia, c'est super sympa. Non, c'est, t'es en train de me dire quoi là? 4 10 km. Allez, on discute pas pour tous, direction Sofia. Ah, ils vont pas survivre. Ah bah attendez, rendez-nous dans notre voiture quand même. Ah, vous êtes là? Ok. Oh putain, et sans déconner quoi. Putain, mais ils sont sérieux les mecs. What the fuck, mais c'est quoi ça, votre truc, les gars? C'est des Eh, hey, sans déconner quoi. Et ta conduite est approximative, ne remet toute la faute sur les autres. Ah, bah si, quand même, Byron. Eh, hey, sans déconner, c'est un truc de malade. Ce soir, c'est un truc de malade. Oh putain, j'en ai marre. Putain, j'en ai ras le cul, putain. 18 et 15 000 décès plus tard, 15 000 fois après.
Ouais, sans les conner quoi. Putain, mais c'est quoi ces mecs là? C'est quoi cette équipe de bras cassés là? Survol les gars, restez vigilants. Ah, putain, mais c'est quoi ce délire les gars là? Attends, j'ai de mon collègue moi. Je suis pas un enfoiré moi. Des véhicules, j'ai fait oh merde. Et Cédric? Hein? Quoi? T'es sorti du véhicule, t'es sorti du véhicule comme ça? Bah oui. Bah ouais. Oh, je t'ai vu. C'est bon, t'es soigné. Comment ça sandwich? Ah, il pourrait une morphine. Ah. Faut demander au doc. Stade médical, vous êtes où? Viens là. Sur position, pourquoi? Non, attends, bouge pas. J'ai des flashs blancs. Bien sûr, mon trader, attends, je crois que c'est bon, pas besoin. Vas-y, ouais, bon, ça va partir, t'inquiète. Ah, normal, je vais te mettre une transe. De... Ah, putain, mais qu'il est con. Pourtant, ce temps-là, le médecin s'est fait des couilles en or. Allez, pour tous, direction Sofia, donc dans le même ordre que tout à l'heure, Alpha, Bravo, Doc et Cobra, on sert fil à la fin du convoi, terminé. Ouais, on va t'en mettre. C'est moi, j'ai des gros problèmes. Là, allez-y, en cas conseil, c'est pas. Ce que je propose, c'est qu'il y en a un qui roule un peu sur la droite, l'autre qui roule un peu sur la gauche. Ouais, mais. c'est ça. C'est exactement ça, Crépy. Ah, c'est bon. Non, mais là, c'est des maginots d'une nouvelle taille. Ah, bah, j'ai vu, hein. Et le pire, c'est que t'es tapé dans quoi? Parce que j'avais même pas le véhicule de l'entendre. Dans Alpha. Par contre, vous avez volé. Si je pouvais éviter de retomber coma ce soir, ce serait bien. Je pense que j'ai eu ma dose. Là, j'ai eu ma dose. Hein. Là, c'est mon cerveau, il va plus être irrigué au bout d'un moment. Je pense que ce soit le bon chemin qu'on fait. Le véhicule est retourné en avant. Quoi? Bien sûr. Si qui parle, est un petit peu. Cobra. Moi, c'est. Vous êtes où? Attends, on arrive. Le mec, tu pilotes pas 10 secondes, on a besoin de moi là. Ouais, vas-y. Au nord? Ouais. Un petit endroit à côté, mec, il est vache à là. Toi. Qu'est-ce qu'il raconte? Moi, je regarde. Allez, on continue la route là. J'apprécie pour tous direction Sofia. J'ai cassé du commandant. C'est bien pris, on arrive. Donc, putain, une voiture. Systématiquement, quand quelqu'un casse, on se met en position. Donc là, c'est Alpha qui va appuyer et les autres en couverture. Reçu pour charge.
C'est bon, c'est reparti. C'est bien pris, direction Sofia. J'ai fait le plein. Et bon. Oui. Oui. C'est comme ça. Jesse, Vincent, tu peux le déban ou pas? Parce que ouais. Skip. Ah bah il est déban normalement. Quoi, qui ça? Enfin, moi, il m'a dit que tu voulais bien, mais juste que tu le trouves pas ouf. Mais en fait, sur TS, il est plus, il est déban sur TS et il est déban ouais. Sur Battle Matrix. Pas seulement, il peut jouer. Ah oui, il peut jouer. Ok, ok. Bon, okay. Ça fait des semaines. Ça fait des semaines qu'il est déban. Ah, ok, ok. Bon, ok, ça bah marche. Je te remets une game, Cédric. Ouais, merci. You were moved. De Charlie pour Alpha, on est déjà sur vous, c'est Bravo qui est en retrait. Ok, bien pris, donc juste Alpha, ouais, on y va, les autres vous restez en stand-by. Ah, putain. Hein? Tu veux jouer pilote ou pas? Vas-y, vas-y, t'es à Paul. À vous, t'aimes. On est reparti, hein. Ok, bien pris. Je suis Vincent, ça fait des semaines hein, qu'il me fait. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que. Genre, moi, il m'a envoyé un message en privé, il m'a envoyé, genre, ouais, je suis encore ban de TS. J'ai dit, envoie-moi la raison. Je lui ai dit, c'est quoi la raison exacte de ton ban? Il m'a encore réexpliqué le problème. J'ai dit, non, la raison, genre, sur le TS. Mais il y a tout ce qu'il a été ban, genre, pour un. Par perm. Alex. Genre, hashtag perm. Pas ah ouais. Un hashtag perm par Alex. Ah bah oui, compliqué là. Vérifié par son adresse IP sur le forum, c'était pas bon. Après, j'ai dû récupérer celle qu'il y avait sur le BM. Ah, c'est compliqué, hein. Ouais, mais c'est bon, j'ai réussi à le déban. Et ce Battle Matrix, il est débanni. Ouais. Mais tu le mets pas en Amarto 2? Ah, si. Mais il l'a pas en Amarto 2. Bah, je vais lui mettre après. En avant! En avant, en avant, en avant! Ouais. Cavalerie, cavalerie! C'est bien reçu. Vous inquiétez pas, des fois, quand je dis cavalerie en avant, c'est pour nous. Hein. Sinon, Major, pour information, c'est normal que la radio est aussi propre. C'est-à-dire? J'entends personne parler entre eux, tout ça. Bah non, c'est qu'ils sont bien briefés, c'est tout. Alors, si on a un canal propre et interne, c'est pour discuter entre nous aussi, hein, n'oubliez pas. Il faut créer des liens, les gars. Nous sommes une équipe, il faut qu'il y ait de la cohésion. Mais il faut pas abuser non plus. Il faut qu'on fasse qu'un, c'est ça? Exactement. Et moi, je suis toujours en la queue du train. Ça vous dit un petit dîner tête-à-tête? Ouais, alors par contre, le major il prend ça un peu trop sérieux, il est en train de me caresser le genou là. En même temps, il est major. Hein. Du coup, tu vas pas y aller, je l'espère, t'es pas un vieux, t'es consentant. Donc, pour tous, deux secondes de sérieux, après vous reprenez vos conneries. Une fois qu'on arrive dans Pyrgos, même chose que tout à l'heure, on s'éclate, chacun prend une rue. Le point de rendez-vous, c'est le magasin de vêtements à la sortie nord de Pyrgos, et après on ira direction l'autre. Terminé. Qu'est-ce que c'est? J'ai pris des valises. Putain, tu vas pas commencer à casser toutes tes 30 secondes. Pour Alpha, on a perdu le binôme du doc. Ok, bien pris. Sapristi, s'il te plaît, la prochaine fois, préviens les valises. J'allais pas couper le major. C'est bien vrai. C'est bien, ça, les gars, c'est bien, voilà. Alors, pour information, hein, si je donne l'autorisation de parler sur la radio, la priorité est quand même aux ordres. Hein. Oui, bien sûr, je vous couvre, je vous couvre, commandant. Commandant. Moi aussi. Mon commandant. Ouf, oui, c'est moi. Le. Est-ce que ça vous pose un souci de laisser le doc tout seul dans son Strider ou pas? Moi, oui. Personnellement, oui. Alors. Vas-y, ouais. Il y a un Strider, justement.
Non, toujours deux, parce que s'il est doc, il lui faut quelqu'un qui est RCP. Il peut pas conduire et RCP lui. C'est bien vrai ça. Et on est toujours en binôme. Pyrgos, ça c'est inchangé. Par contre, Charlie, tu vas aller te mettre dans le Strider avec le doc. Ouais, direction Sofia, autant pour jeu. Okay, toujours en binôme, les gars. Un petit souci. Donc là, exceptionnellement, vous serez en trinôme avec le doc. Pardon, monsieur, pour Charlie. 3 millions. T'as eu combien, t'as dit? Suffisamment pour que je refasse. Il reste pas. Ah, là, j'ai eu 100 000. Ah, saloperie. Qui est le négociateur de l'unité là? Qui se désigne? On y va. Si vous voulez, je peux négo, mais je suis qu'une recrue. Ah, de toute façon, un jour, à un moment donné, il faut avoir un négociateur Viper parce qu'on sera au premier au cac. Hein. Donc, pour éviter de choisir qui y va, faut s'organiser avec un négociateur d'entrée de jeu, toujours le même. Écoutez, si vous voulez, je négo. Les deux dernières fois que j'ai négo, j'ai signé avec une balle dans la tête. D'accord, donc on va éviter de te prendre. Mais non, c'est une recrue, c'est du consommable. Ah oui, ça va, on a droit à 7%. Ah, mais la négo, elle est bien. Le mec d'un coup lève son arme, il fait mets les mains sur la tête ou je tabasse, je fais non, mais. Pourquoi vous faites ça? Grosse balle dans la tête. Ça c'est typical, ça, ça prestille. Hein. Toujours la faute des autres, jamais de la sienne. Hein. Sauf qu'avant j'étais directeur de prison, ça passait. Là maintenant je suis recrue. C'est bon, j'ai déjà. C'est bon, t'as récupéré l'équipage Charlie. Doc, est-ce que tu as récupéré l'équipage Charlie? Pas encore. Maintenant oui. Ok, donc pour tous, direction le. Ah, c'est là-bas. J'ai regardé un truc quand même. Laisse-moi te chanter. Eh, ça après, tu vas pas rechuter quand même en allant à la coca. Comment ça rechuter? Ah, c'est très bien. Ah, mais j'en suis jamais sorti. Hein. Mec, quand t'as 12 heures de taf à faire, un peu une petite trace de coque et c'est parti. Bah, genre, faut que la avec ça. Faut que le plan de coca est fait, direction Molo. Ouais, super. Je comprends que ça vous gêne pas trop, Major. Que vous rouliez avec un mec qui se fout de la coke dans le bif. Bah écoute, il fait ce qu'il veut, le garçon. D'accord. Tant qu'il me laisse caresser son entrejambe, je vois pas d'inconvénient. Ah. 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 On y est. Alors, en vrai, moi, plus il y a de barrettes sur le béret. Moi je préfère les étoiles. Ça peut se dire, vous serez jamais avec moi. Bon écoutez. C'est mal. Alpha Bravo, je crois qu'on a un peu distancé l'équipe arrière. Ouais, mais y'a pas de soucis, y'a l'équipage Cobra qui reste avec lui en sécurisation. Donc nous on va monter tout au nord, vérifier le traitement de coca. Et après on redescendra au sud. Ok, c'est bon. Même chose dans Molos, on s'éclate vite fait, on fait le tour à peu près toutes les rues et on se retrouve au marché sortie nord. Faudra que je vous montre à la BK où se trouve le bureau de feu le colonel Schultz.
Bon bah c'est bien tout ça mon petit Odor. Bah, Bélic. Ouais. Ça vous changez de gagner du pognon en fait. Pas de travailler, c'est pour pas gagner du pognon. C'est vrai. Oh, ça sert à... Ça sert à quoi de... Non, je travaille pour aider le peuple d'Altis. Ah, toi aussi? Pognon, j'ai plus besoin. Bah, c'est pas moi qui veux dire que j'ai besoin de pognon. Moi, j'ai toujours besoin de pognon. Des moi, j'ai une boîte à cul à Néo-Chori, t'es au courant? Boîte à cul? Ouais. Boîte de... Une boîte à cul. Bah c'est une boîte à cul. Une boîte pas là. Ouais, une vraie discothèque, une boîte à cul. Oh. On crée des liens. On crée des liens. Ouais, on crée des liens dans ma boîte à cul. Le WebGB qui va faire 100 000 euros. Ah. Ah, faut vraiment être déterminé pour vouloir faire de la coco ici. Hein. Faut aimer. Mais y'en a hein. Qui c'est qui va les emmerder ici? Ça va être peur. Voilà. Avec tous les bugs qu'il y a eu. Ah c'est chaud hein. Oh non 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 non, t'es là? Oui je suis là. On a repris le dessin, j'en ai marre. Y'a moyen de vous arrêter ou pas Doc? On est vraiment blessé là. Salut mon petit alias, merci d'avoir follow la chaîne. Rejoins-nous sur Discord et abonne-toi sur YouTube pour revoir les lives que tu as ratés. Merci à toi. Bisous Mouloulou, bien. Aucune idée. Bah pas comme ça je crois pas. Ah. On a notre ami qui nous a foutu un poil tout à l'heure qui s'est amusé ici. C'est sûr que c'est bien essayé, tranquille, quoi. C'est bon. Allez, ouh j'ai une blessure au niveau des jambes. Ouh ouais, vas-y, vas-y. Allez, pour tout dire, je suis par la route principale, on va aller à Tira. Le serveur est clean, des hackers. Ouais, serveur clean. C'est bon, vous pouvez tous revenir. Pourquoi on transporte tout plein d'argent? On va transférer 999. Ah, c'est génial ça, ça m'arrive jamais moi. Ah, mais je pense que là c'est l'argent du hacker qu'on a tout. Moi je pense à tout retirer après. Ah, t'as une morphine ou pas? Oui. Tu veux une morphine? Ouais, s'il te plaît. T'es tendu? Ouais, c'est tendu. T'es tendu ou pas? Ouais. Beaucoup tendu ou ouais, juste un peu tendu? Tendu. Ouais, tiens, prends ça. Elle est bonne hein. Elle est pas mal celle-là. Un peu comme ma femme, elle est bonne. Ah, attends, on va en parler un peu de ta femme. Elle est comment ta femme? T'es pas là au mariage? Non, j'étais pas là. Hein. Elle est belle, elle est sympa, elle est cool. C'est un homme ou c'est une femme? Femme. Une femme. Elle s'appelle comment? C'est ma femme. Calibellic. Calibellic? Et pour moi, et peut-être qu'elle va nous rejoindre plus tard dans Viper avec la voiture. Ah merde! Merde, ouais, exactement. Bah, après, je pourrais patrouiller avec elle alors. Ouais. Je pourrais lui mettre de la morphine. Je pourrais l'emmener à la boîte à cul. Bah, non. Bah, si. S'il vous plaît. Bah, quoi? Bah, ah, on parle de ta femme là? Ouais. Ah, oui, non, mais je l'emmènerai pas, t'inquiète. La boîte à cul, t'es fou comme un dessin. Allez, écoute. Ouais. Voilà. Ouais, c'était quoi encore? Attends, reviens là, toi. Pourquoi tu me dis ça? Estimé collègue. Tu viens de m'insulter des gros caca ça précis. Il me semble pas.
Ok, pas de soucis, directeur, ça précise. Donc pour tous, on va aller à la OI sécuriser le convoi. Car reçu, bordel. Reçu, bravo. On va aller se positionner au vendeur directement. Il se passe pas grand chose là. Ouais, normal. Y'a plus personne là. Ce qui s'est passé, pas leur en vouloir. C'est vraiment un très bon pilote, j'en sais plus. Merci beaucoup, Odor. Pas de soucis, Sweat. Je trouve que ta chevelure est très soyeuse. Merci beaucoup, Jean. 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 Jean Valjean. Est-ce qu'il y a au moins une personne qui t'appelle Jean? Non. Si des fois il y en a, ils essayent de m'appeler Jean, t'as tout le monde qui leur fait non, appelle-le Sapristi, s'il te plaît. C'est ça. Sapristoche. Vous êtes bien calme, les gars. Vous êtes bien calme. Ça serait dommage que je me fasse hacker ma Tesla et que. Vous êtes calme, les gars, hein, ce soir. Hein, je sais pas ce que vous avez là. Des bricoles au dehors. Hein. Comprends, c'est votre adorne à côté. Ah. Ok, c'est bien pris. On vous attend. Donc pour tous, une fois au vendeur, Alpha se positionnera directement sur le vendeur. Doc, tu te mettras en stand-by au niveau du port. Et pour Bravo et Cobra, je vous laisse vous placer de manière à avoir des appuis et sur le doc et sur le vendeur. Voyez-vous les petits gars là sur Twitch, et qu'est-ce que vous en pensez vous de plus de RP sur le serveur ALF? Vous en pensez quoi vous? Ah, faut vraiment les... Tiens, c'est une bonne question tiens, que je voudrais vous poser. Est-ce que vous êtes pour ou contre plus de RP sur le serveur? C'est-à-dire moins de gunfight, mais beaucoup plus de serious RP, comme si on vivait chacun notre vie, où on pourrait retrouver des gens en train de boire de la binouze ou de la vodka. Ça doit être la fête dans le trailer. Sur le bord de plage, des ouvertures de rendez-vous, enfin voilà, des trucs comme ça, quoi. Ah non, on parle, on parle. Vous en profite. Pensez quoi, vous? J'aurais pas pensé à ça, vous voyez. Alors, ça frise-tu en casse à 2 km. Là, je me suis fait pirater ma Tesla, quoi. Tu t'es fait pirater par Elon Musk, mon gars. Doc, tu peux continuer, nous attends pas. Continue, toi, vu que tu vas pas vite. Bien pris. On va voir leur Strider faire des zigzags. Qu'est-ce que vous faites? Ils se mettent des choses dans le cul, mais c'est pas de la morphine, tu vois ce que je veux dire. Normalement, fallait pas leur dire qu'il fallait qu'ils se rapprochent un peu. Hein. Je crois que je vais acheter une Tesla aussi. Ouais, moi aussi, je pense. Faudrait que j'en prenne une. Bah non, je suis con, je suis recru. Ça fait pas le bruit une Tesla. Ouais. Odor, t'aimes bien le chantilly? Ouais, mais pas celui qui est sur les hommes. Ok. Désolé pour toi. Eh hey, les Vipers, est-ce que vous voulez un scoop? Vas-y, envoie. Jean Sapristi adore s'asperger de chantilly pendant que son pote le lèche. Non, mon pote va pas lécher quand même. Arrête. Ah, c'est pour ça qu'il me demandait tout à l'heure si j'avais pas des fraises. Exactement, ça s'est passé comme ça en plus. Non, il faut savoir que... J'ai pris une petite fraise, je l'ai mise dans ma bouche. Et je lui ai dit... Vas-y, mets-moi une faciale. Et du coup il m'a rempli la bouche, il m'en a mis partout sur la gueule. D'accord. Mon commandant, vous voulez que les mecs soient plus proches, hein? Je pense que c'est pas mal là, non? Bah là c'est très proche, on va dire qu'ils sont même dedans. Hein. Intime. Ah, après pour ma défense, j'avais un peu vu. L'alcool n'excuse en rien, ça. C'est bien con que ça excuse en rien, ça. L'alcool ne fait que vous désinhiber et vous révéler vos vrais irritables penchants, messieurs. Ah, trop bien! Donc ça veut dire que quand j'ai envie de faire l'amour à tout le monde quand je suis alcoolisé, ça veut dire que j'ai envie de faire l'amour à tout le monde quand je suis pas alcoolisé? Exactement. Et tu n'oses pas quand tu n'es pas alcoolisé. Bah... Ouais, bah ça veut dire qu'en fait je vais être casse-couille alors. Donc pour tous, la OI sera au vendeur dans 10 minutes. Donc si on pouvait être arrivé avant. Reçu.
de Sapristi pour Odor. À l'écoute de Odor. Salut. C'est facile. J'attends toujours votre communication, Sapristi, envers ma personne, Deodor. Oh, l'unicom. Ah, ok, c'est bien. Saloperie. Voilà, voilà. Oula. Et la même chose que moi ? Et là, ouais. Et là encore. Franchement, Deodor nous a pas payé des routes, hein. Ça serait mal les utiliser quand même. Non, pour s'apprécier. Transmet. Et si y a un fight, je crois que tu vas passer dans ma ligne de tir. Vous êtes en train de dire que vous voulez abattre un collègue, Sapristien? Non, non, je dis juste que je vais vouloir te couvrir et bon, voilà quoi. Ah, vous pensez que je vais faire une erreur? Ah d'accord, putain, on est en train de faire le tour de la ville, j'ai pas compris. Négatif, c'est un raccourci. D'accord, donc j'ai pas fait de notion en fait. Oui. Là je vous ai perdu les gars, je sais plus vers où vous allez. Celui-là bouge pas, je vais te guider. Salut Niba, bienvenue à toi, merci d'avoir follow la chaîne. Tu peux aussi nous rejoindre sur Discord que tu trouveras en lien sous la chaîne. Et je t'invite à t'abonner sur YouTube pour revoir les gameplays et les lives que tu as ratés. Merci bien, bienvenue à toi, bisous. Ah mais j'ai pas envie de déconner. Juste dire, si tu meurs, t'inquiète pas, on prendra bien soin de femme, y'a pas de soucis. On va soin d'eux. Alors ce soir, on va bientôt atteindre les 250 followers, et ça c'est génial. Si jamais tu meurs, prends ça c'est magnifique les gars, merci à tous, merci, merci à tout le monde. Ouais, ok. Ça fait le plaisir courage. Que vous soyez tous là. Ça sera arrêté et amplifié. Vous avez aussi le fils avec, vous faites gaffe. J'ai été formé. Vous êtes 249. Non, parce que quand la femme ça va, elle est gentille et tout. Par contre vous avez le fils que j'ai adopté de force. Et là c'est notre histoire. Un fils adopté de force. Ouais mais enfin. Une longue histoire. Mais tu le connais, c'est. Alors pour ceux qui sont pas encore sur Discord, allez-y, rejoignez-nous, hein, ça coûte rien, c'est gratuit, hein, voilà. Et vous aurez les notifications en direct des débuts des lives que je fais sur ALF, sur R6 ou sur GTARP. Donc tout est sur Discord. Hein. Vous aurez la notification sur Discord. Et si vous activez le petit clic notification du lancement des lives sur cette chaîne, sur Twitch, vous l'aurez aussi sur votre téléphone portable. Voilà, voilà. N'hésitez pas à nous rejoindre. Nous allons vous ouvrir la douane à un moment. À mon moment. Reçu l'appel du commandant. Réitérer, Groin ? Merci, c'est possible. Vous êtes bien bon. Ah bah merci pour moi. Ah si, Major, vous êtes bien bon, merci. Ça va tout de suite mieux. Des dogs pour Cobra. Prof. Ça va sur votre position? Ouais, ça va, ça va. Alors, vous allez me faire un positionnement en sécurité tout autour de l'acheteur. Je vais un visu 360 sur une distance de 200 mètres. Non, là-dessus, pas en fait. Check des alentours pour un truc qui arrive. T'en penses? Bah check hein, à part des tours solaires tu vas pas avoir grand chose hein. Tu veux me faire un check? Ouais, tu vas aller au vendeur directement, je suis commandant. Ah, le pognon il faut que je sois à côté. Ah. Il va partir les gars. Hein? Il y avait une voiture là. Ah, voilà. Ok, véhicule sur vendeur, direction route principale. Hein. Ok, bien pris, de Alpha, on va essayer de procéder au contrôle. Le véhicule fait demi-tour. Ça doit être l'agent de sécurité. Yeah.
qui a des soucis. Ouais. Non, non, c'est lui. Ok, donc le véhicule c'est l'agent du château de la ville. Ok, bien pris. Pourquoi j'avais 14? Bateau en approche. Alpha. Hey, commandant. Ouais. Après tu penses que dans le bateau quand ils sont arrivés ils ont crié genre terre en vue. J'ai pas entendu, t'as bégayé. Est-ce que tu penses que quand ils sont arrivés en bateau devant. Non mais c'est bon, j'ai entendu. Terre en vue. Matelot, préparez l'abordage. Encore un qui a regardé trop de dessins animés de sa jeunesse. Oh, c'est peut-être la famille pirate. C'est peut-être les Flintstones. Et quoi? Les Flintstones. T'étais pas né, je crois. T'étais pas né. Attendez, bougez pas, je vous rattrape tel un prince charmant. Non, regarde, je suis bien là. J'avoue. Elle a... C'est une station de service ici. Ah ouais, c'est pas cool. Un truc dangereux, mais je vais quand même le faire. Bravo de Alpha. Elle écoute. Est-ce que vous pourrez faire une extraction pour le vendeur, s'il vous plaît? Ils aimeraient bien qu'on les extrait une fois qu'ils ont fini de vendre. Ouais, ok, c'est bien sûr. Merci, terminé. Du coup, on fera une extraction au niveau de l'aéroport, je suppose. Affirmative, celle qui vous arrange le plus, c'est vous qui voyez. Je vous laisse libre choix. Ok, bah du coup, ce sera pour le terminal. Dans chic dans les prés, pleurisse. Dans chic dans les prés, la rose. Dans chic dans les prés, fleurisse. Dans chic dans les prés. Nanana. De quoi? Ah rien, mon commandant, c'est une super musique que vous chantez. Adore, t'es dans mon viseur. Ça marche, regarde. Attends, on regarde comment je suis un génie, attends. Wow. Sinon là, y'a personne qui a des indices là chez nous ou quoi là? Allô? Moi j'ai pas d'indique, Major. Parce qu'on se sent un peu chier là quand même. Moi je vous le dirai en tant qu'ancien ministre, j'étais déjà en contact. Ouais, Oda, il est flic, ouais. Y'a pas quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a des mauvaises fréquentations, qui aurait des infos là? Vous êtes en train de me faire signe, c'est ça? Pas du tout. Bonjour monsieur, merci pour votre sécurité. Je me permettrai pas. Non, c'est pas la sécurité, c'est un braquage. C'est un braquage, messieurs. Non, parce que je me ferais bien un petit convoi de stupéfiants, moi. Mais non. Ou un convoi de rebelles, tout simplement, même. Un convoi de quelque chose, quoi. Ce que vous voulez, quoi. N'importe quoi, qu'on fasse quelque chose. Un convoi de diamants. Un convoi de...
Diamant. Ouais, je prends. Je prends aussi. Là, on a un convoi de pétrole, Major, si vous voulez, sur notre position. Ouais, bah on s'en occupe de celui-là, justement. Dans 5 minutes, c'est fini, on va nous se faire chier. On peut s'en occuper autrement. Non. Mon commandant, vous avez entendu ce qu'il a dit, Mélie? Pour information, j'ai un camion blanc qui vient de passer à fond la balle. À mon avis, il n'y a pas que du truc dedans. Ouais, il remonte direction nord. Ok, vous y allez, Cobra? Avec Alpha, on va venir. Ouais, vous voulez un convoi? Là, je vous en ai un. Alors, chopez-moi le. Cobra, dès que tu l'as en visu, tu nous dis. Ça, tu m'as mis dans la tête. Bravo, commandant. Bah, de rien. Je suis que dans les prés. Fleurisseur. Cobra, suis-nous, Cobra, suis-nous. Il attend à gauche, à droite. À gauche. Direction Atira. Cobra, vous allez direction Atira, par route principale. John, t'en as bien 32 sur toi, tout est bon. Ouais, c'est bien ça, tout est bon. Ok, c'est parti, on va. Dès maintenant, attends. Tu veux pas un top départ? Ouais, le top départ, c'est bon, je viens de t'aider. Oh. Ok, sur position, bravo. Position, bravo, on a retrouvé le camion, il a cassé. Changer. De Doc pour Bravo, faites attention, vous êtes tout seul. Le Joël, putain. Non mais pourquoi comme ça, bordel? Oh, vous avez... merci Daoïd, il y a une mouche qui a failli rentrer dans votre réservoir. Ah, c'est important. Bah, ça aurait pu péter. Hein. Ça aurait pu exploser. Oh non, je suis pas sûr qu'une mouche fasse du feu. Oh non, là. Bon, et vous en pensez quoi, vous, sinon? Est-ce que vous voulez plus de RP sur le serveur? Ou pas? Bienvenue, Hazard! Bienvenue à toi! Tu es le 250e follower de la chaîne. Merci à toi, merci beaucoup. Tu peux aussi nous rejoindre sur Discord pour des jeux intra-communautaires ou avoir les notifications en direct de mes lives et YouTube pour revoir tous les lives et les gameplays que tu as ratés. Merci à toi, bienvenue dans la famille. Et que des arceaux sur le dos. Affirmative courant, tant que vous soyez en position pour procéder au manantage et à l'extraction de l'individu, donc dépêchez-vous. Bon. Major, vous êtes content de mes infos? Affirmative, je like. Vous avez une page Facebook, mon commandant? Ouais, quand il suffit de demander le commandant. Ok, affirme la 187 de tabac. Vous avez fait comment pour monter là-dessus, monsieur? Ah, bah, secret professionnel. Il a sauté. Ok, bien pris, donc on va extraire l'individu. J'ai utilisé mon pied de biche que j'ai dans le dos là. Non. Arrêtez, vous allez faire mal, monsieur. Vous êtes un professionnel, monsieur, de la cascade pour faire ce genre de choses. Vous êtes un cascadeur, monsieur. Vous êtes musicien aussi, d'après ce que j'ai vu? Non, là, mon commandant, là. Le panneau. C'est le panneau, mon commandant. Le panneau. Le panneau. La vente de pétrole, vous en êtes où? Ils sont en train de vendre, là. C'est un muscle contrôle. Ok, donc pour Alpha, on va retourner à la PA avec le camion. Cobra, vous retournez sur le vendeur, renforcez Bravo. Terminé. Tu me parles du muscle contrôle D, toi? Contrôle V. Contrôle V? Bon, John, t'as fini? En avant? Pas lui. Et là, vous faites contrôle V. Ah ouais, je savais pas. Et ça sert à quoi? Ah, quand vous voulez grimper un truc un peu plus haut, vous faites contrôle V. Par contre, si... donc si je te prends, toi? Non, un petit peu klaxon. Tu peux te grimper dessus, en fait. Je crois pas, pas sûr. T'as dit quoi? J'ai eu des multiples klaxons dans Telos. Vas-y, barre ton Telos, on va te perdre. Bah, c'est lui qui a l'argent du coup, messieurs? C'est moi, c'est le monsieur. Je vous montrer dans la. On va y revenir après. Une fois à la VR, tu t'occupes de traiter l'individu, à me verbaliser, lui tirer des informations, moi je m'occupe du camion. Ah, ça. Que dans les prés, fleurissent. Quand on arrive à la VR, tu le mets devant son camion, on ouvre le camion devant lui. Putain, heureusement que vous êtes là, les gars, parce que moi je connaissais pas toutes et tous.
ça, on va le faire constater de visieux. Pour le vent, shift K, putain, mais ça, je savais pas non plus, quoi. Pourquoi ? T'inquiète, t'inquiète. Shift K. Pourquoi ? Pour le vent du sniper. On me braque, on me braque. Il y a pas de vent sur lui, je crois. Comment t'as fait mieux ? Mais je crois que le vent sur l'île, il y a pas de vent sur l'île. Ouais, c'est exactement ça. Pour ceux qui étaient pas là au niveau de la mise à jour, il y a la mise à jour qui va bientôt arriver. Des bravo, on sort au terminal. Donc il y a une mise à jour très prochaine sur le serveur pour ceux qui étaient pas là. Et on va mettre en place une nouvelle forme de RP en fait. Donc j'espère que tous les joueurs vont jouer le jeu. On va avoir plus de RP, moins de gunfight parce qu'on en a marre des gunfight en fait. C'est pas un serveur RP le gunfight. Et le gunfight n'est pas du RP. Et du coup, on va obliger les joueurs de faire attention à ce qu'ils font. Je ne veux pas vous dire par quel moyen vous allez le découvrir, mais ça va piquer à certains. Voilà pour ce que j'ai à dire du serveur. Bloc en haut à gauche de ton écran, après il y a... Si tu as dit l'argent... Exactement, merci. Non, je crois que le vent est désactivé sur le serveur, mec. Alors pour moi, la petite prime, c'est toujours pareil. Hein. Pour ma petite prime, c'est toujours d'actualité. Hein. C'est 250 000. Ah, vous verrez ça avec mon super directement. Ah, mais c'est déjà tout vu. moi, j'ai rien. Moi. J'ai pas eu d'informations par rapport à ça. Ah, ouais. Bah, je vais vous faire virer. Allez, on s'en va, ils se démerdent. Allez, à plus. Salut, fiston. Il faudrait surtout qu'on voit moins de rebelles bandés, en fait. Ouais, mais c'est ça, en fait, on va les obliger à faire ça discrètement, en fait. Allez, bah, pourquoi tu m'as donné ça, toi ? Je sais pas, tu peux... Je sais pas. Information sur vos solidités. Pour Alpha, c'est bon, c'est clean. On est en train de procéder à la verbalisation de l'individu. On est à la merde, stand by pour nous. Monsieur. Bon, allez, pour les autres, direction à Tira. Ouais. Un reçu pour Doc. Un gros virage. Paf. Mais t'es beau ce virage. Est-ce qu'on est fiers? Et franchement, oui. Non, putain, moi, non, il n'y aura pas de suppression de licence. Quoi, juste... Il y en a un qui me demande si la disparition des licences rebelles et bandits en une. Qui est-ce qui parle? Non, il y a... c'est pas prévu ça. De faire les deux en une seule? Ouais. Il me semble, hein, mais je suis pas sûr. C'est prévu comme ça, c'est. Ouais, il y a un truc dans le genre. Ah ouais, ça va passer en mode marché noir, un truc comme ça. Ouais, voilà. Ouais, il y aura plus de licences différentes, il y en aura. Le but en fait c'est de. Parce qu'en fait il y a trop de distinctions entre les deux. Alors qu'en vrai quand tu regardes les deux peuvent faire tout en fait. Et du coup autant tout mettre comme ça ils auront plus de possibilités. C'est normal qu'il y a un merc en karting. Vous je suis la merde. Lead Tira, lead Viper. Transmet. On a quelques petits rigolos là qui font du kart sur la route principale de Tira. Ah c'est bon, j'en ai un là. Ah bah t'es bien, c'est bien. Ça va mon petit Dédé? Ça va et toi mon whisky? Eh hey, fiston! On sur qu'est-ce que tu fais là? On quitte Canal 6 pour s'y rendre. On va rouler dessus et puis ils sont partis en roulant du coup. Ouais, et donc toi tu trouves normal de rouler avec un karting sur la route sans casque? Ça y est du karting monsieur. Ah bon? Ouais. Tu trouves normal de rouler sur la route avec un karting? Bah non, j'ai cherché mon casque. Et t'es en train de réparer? Tu me manques de respect là ou quoi? Non, je croyais qu'on peut rouler avec un karting partout, monsieur. Bah, tu sais qu'il y a une piste de karting là-bas, gamin? Bah, je sais. Alors, pourquoi tu roules pas là-bas? La dernière fois, j'ai sorti mon véhicule là-bas, je l'ai explosé avec, du coup, j'ai préféré sortir ça pour. T'as sorti un véhicule là-bas, sur le karting? Oui, et j'ai explosé. Mais tu sais que c'est interdit aussi? Bah, je sais, mais comment on fait si on a bloqué là-bas? Bon, monsieur. Hein? Le véhicule n'est pas homologué? Et si, monsieur, vous pouvez sortir un. Non, mais sans déconner. Faut de ma gueule ou quoi? C'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? J'arrive. Oh bah oui, bah tu vois que tu me manques de respect! Merde! Regarde en l'air, s'il te plaît. Putain, je vais. Oh putain, je vais.
Si vous regardez pas en l'air, j'arrive à vous donner ma carte. Lève-toi déjà. Lève-toi, fiston, voilà. Jésus t'a donné des jambes, c'est pour te lever. Jean Merguez. Ah bah ça tombe bien, t'es un frangin épice toi, non? Merguez aux épices, c'est rigolo ça, non? Trouve pas Daft Punk? Bon bref, donc ça, tu vas me le ranger, parce que si je te vois avec, je le prends pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Et je lui mets à la fourrière, chez Pascal. Tu vois où est la fourrière chez Pascal, là-bas? À Neuchâtel? Non mais pas là-haut, là-bas, un peu plus loin. Ah oui, oui. Donc voilà, donc sinon je vais la mettre à la fourrière. Mais qu'est-ce que tu fais Alvarez? Pourquoi tu me donnes ta carte? Alvarez? Bah si, t'as le droit. Bah, ça me fait plaisir que tu me donnes ta carte, félicitations, bienvenue. De rien. Voilà. Oh, regarde, un copain à toi. Bon les gars, déjà que l'autre fois on vous a chopé avec de la cam, c'est pas pour revoir avec des kartings. En fait, là, on... oui, je... Ah bah. Ouais, je vous ai reconnu, ok? Bon, c'est déjà mieux que du cannabis, quoi. Mais bon, je veux pas vous voir avec ça, bordel. Et si vous faites ça, vous faites ça sous le circuit de cartes. Ça marche, les merguez saucisses épicées, je sais pas quoi, là? Oui, ça marche. Bon, allez, bon barbecue. Merci. Un appel comme quoi il y a eu des... Alors, attends. Puissance sont marqués à la mine d'or. Non, c'est la mine d'or. Ouais, la mine d'or, elle est tout au sud, hein. Au sud de l'est. Le gore part bien ou on va faire un tour à tirer? Allez, rassemblement direction je sais pas où. Direction. Je sais pas où. Apparemment il y a des breakers sur la mine d'or. Ah bah les gars, direction mine d'or. Tout Cobra Viper direction mine d'or. Sierra de Viper Lead. Ok Sierra, merci. Du coup direction mine d'or. Y'a pas de CPA là aujourd'hui là? Ah frérot. Putain. Fais-moi une oncom et dis qu'on a des braqueurs sur la mine d'or. De Viper Lead apparemment on aurait des braqueurs au niveau de la mine d'or. J'ai pas compris. Moi non plus. CPA Lead, je vais aller faire un check sur zone et essayer de prendre les véhicules des braqueurs. Ah bah si y'a CPA. Là tu dis reçu de Viper Lead. De Viper Lead c'est reçu. Voilà. Je refais, Lucas Lancrin, validé. Eh les gars c'est... Tu m'entends? Tu m'entends à travers le mur ou quoi? Ouais, pourquoi? Non, c'était pour un essai. C'est bon, j'ai son dossier, du coup, je fais une nouvelle infraction. C'est... Allez, on se casse. On a cassé. Ah, tu répares. Vous, on fonce à l'arrache là-bas ou... La mine d'or, elle est pas là-bas, Théodore. Elle est au sud de l'est. Hein. Ah oui, bah les gaz. Bon allez, à tous les Vipers et les Cobras, la direction mine d'or au plus vite, là. En avant, cavalerie! En fait, je prends des jambes de fou, moi, mais c'est des carabines, là. Bam. Bam. Et on fait quoi? On y va en convoi ou à l'arrache? On y va à l'arrache, là. Ah, voilà ce que j'aime. La mise à jour ça implique un reset. Ah non, pas du tout, il n'y aura pas de reset de compte Sinophile. Sinopolite, pas du tout. Il n'y aura pas de reset de compte, hein, vous garderez vos comptes. Mais votre façon de jouer soit. Nous on voudrait que votre façon de jouer soit différente en fait. On veut vraiment que vous installiez une forme de RP quand même. Et arrêter de braquer, par exemple, poursuivre des flics pour des trousses. Parce qu'il n'y a pas que 25 policiers dans une ville. Hein. Ça, c'est complètement stupide. On veut vraiment qu'il y ait une forme de RP qui soit fait par les joueurs, en fait. Parce que sinon, la solution la plus radicale, c'est de fermer le serveur et le whitelister, en fait. Et vous passez des entretiens, et comme sur GTA, en fait. Tu as encore changé de RP. Mais pas changer de... changer de RP, c'est... discuter, rencontrer, créer des actions qui te donnent, qui te dit que, qui va te faire réfléchir pour la suite en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas braquer des policiers, tu vas pas. C'est
une logique RP. Tu veux avoir une logique RP, c'est-à-dire que si tu braques tes policiers, faut pas s'attendre que tu sois complètement libre derrière, quoi. On s'en fout que tu... Voilà, après, t'es recherché, on sait que t'es un braqueur, terminé, tu assumes en fait tes actes, en gros. Et là, je viens de crash. Non, je peux pas. Après, ouais. Non, non, c'est moi qui ai eu un petit bug OBS. Non, non, Nek, c'est bon, t'inquiète, Nek, hein. C'est bon, petit Nek, hein, je pense que t'as suffisamment donné déjà, c'est très très bien, c'est même plus que très bien. T'inquiète, Nek, y'a pas de soucis. A donné. Donc, il va y avoir une logique RP, ouais. Je disais ça, je parlais à qui déjà, à Stinopolite. C'est une logique RP, en fait. Alors, tu ne peux pas braquer sans vouloir... Enfin, sans risquer de d'être recherché, en fait. En fait, c'est logique. Une règle fondamentale du serveur, c'est pour pouvoir ôter la vie de quelqu'un, il faut une raison valable. Et quand les mecs disent, bah, il a pas voulu nous donner sa trousse, bah non, tu tues pas quelqu'un, parce que c'est les gens qui a des données, c'est tu tues pas quelqu'un pour un paquet d'outils, en fait. Pour une boîte de tournevis, tu vas pas tuer quelqu'un. Quand les personnes disent, bah ouais, bah il a pas voulu nous donner sa trousse, bah ouais, mais tu tues pas pour ça. Tu le frappes, tu les prends sa trousse, machin. Exactement, c'est la logique. Hein. En plus, là, bah, vous avez de la chance parce qu'il y a Odor et moi, donc tu dis à Odor que c'est le meilleur joueur. Avec des armes civiles qui auraient braqué et dit des menaces sur une certaine personne. Enfin, je vous laisse arriver sur zone et gérer ça. Ok, visite des véhicules ou pas CPA, vous avez une description des véhicules ou pas CPA. Oh, mais qui dit. Mais non! Oh bah merde! Ah bah dommage, monsieur, ça c'était fait... celui-là! Ça fait un braqueur en main, c'est lui? C'est lui le braqueur? Ouais, c'est lui! Et le monsieur il a pointé son arme sur mon collègue. Monsieur en noir? Monsieur en coupe de couleur noire. Oui, de monsieur. Bah, il y en a trois. Ils ont pointé ses armes sur mon collègue, ils l'ont attaqué. Oh, mon collègue, il est pas là. Celui-là! Lui! Bon, bah voilà. Allez, on interpelle, on soigne, on interpelle, hop! Mais what? Dans mon arme. C'est toi le braqueur? Ouais, non, mais je dis que je suis pas un braqueur, messieurs, il balance des lacrymos sur la zone. Bon, la solution est simple, main sur la tête pour tout le monde. Ah ouais, il a qu'à pas foncer sur ma bagnole. Main sur la tête, le curé, là. Quoi? La main sur la tête, sinon je te force, moi. M'en fous. Main sur la tête, et vous mettez en ligne devant moi, s'il vous plaît. Tu penses très fort sur Shift L. Voilà, allez, vous mettez en ligne, en colonne, pardon. Allez, c'est parti. Vous voulez me faire une fouille anale, mon enfant? Exactement, et toi, te cache pas derrière le buisson, je te vois. Hop, viens ici, toi. Viens ici, toi. Bonjour. Hop, toi, tu te mets là, vous bougez pas. Là, il me faut une fouille anale. Putain, il a essayé de cacher un truc. T'es en état de l'arrestation. Alors, bougez pas. Allez-y, hein. C'est moi. Donc, est-ce que vous pouvez descendre dans un coma, s'il vous plaît? Oh, monsieur. Hop. Tournez-vous, monsieur. Non, non, on n'est pas de la police, non. On est l'armée du salut. Ok, monsieur le curé, c'est bon pour vous. Vous pouvez y aller. Suivant. Vous pouvez vous décaler. Main sur la tête. Hop. Retournez-vous. Juste un petit bandana dans la poche. Ouais, bah c'est interdit les bandanas. Ah bah prenez-le si vous attendez. J'étais passé dans le buisson et on m'a... Ah ouais, vous attendez. Je masque celui-ci, vous voyez, il y a beaucoup de sable. Ok. Allez, vous pouvez y aller. Au suivant. Oui, il est meuté, le dernier là. Parce qu'il a caché quelque chose dans le buisson. Ok, on se laisse. Ah monsieur, t'es pas mes fesses. Doucement. Ouais, c'est pas bien. Comment ça, t'aimes pas? Allez, c'est bon aussi, suivant. Mais monsieur, vous êtes de la police? Non, non, on est pas de la police, non. Oh non, je peux le démenoter ou pas celui-là? Ah non, c'est des rebelles. On est des rebelles, on est des braqueurs. Fouillez-moi, ah, commandant. Ok, c'est bon pour non, vous, ouais. Il y a des chargeurs de. Ouais, ouais. Le dernier? Non, le monsieur. Chargeur de MX, allez, on interpelle. Hop, c'est parti. Le monsieur avec sa cape de Batman. Allez, viens là, toi. Allez, c'est bon là. C'est parti, on interpelle le monsieur devant moi là. On l'embarque, chargeur de MX.
lequel Ouais, lui là. Lui là. Bouge pas. Bonjour, monsieur. Allez, suivant. Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Non, du P1, tu fais ici. Non, non, lui là. Ouais, moi, je suis content. Alors, lui, il a ça. Tac, 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 tac. Lui, il a une arme. Hop. C'est de l'arme légale, monsieur. Ouais, bah attends. Allez, vous me présentez votre pièce d'identité, s'il vous plaît. Bien sûr. Licence de port d'armes. Ouais, je me suis pas fait contrôler. Je me recule juste. Je suis pas sûr qu'on travaille avec votre collègue là-bas. Mais carte d'identité. Permis de conduire port d'armes. Ok, c'est bon, on peut y aller. Oui, il est contrôlé. Bah non, pas pas lui là. Alors lui, c'est bon. Alors toi, qu'est-ce que t'as essayé de cacher toi? Je n'ai rien essayé de cacher, je suis passé à ce qu'il y a. Qu'est-ce que t'as essayé de cacher toi? Et j'avais rien, monsieur, sur moi j'ai rien dans mon sac. Pourquoi t'as caché quelque chose dans les buissons? Mais venez, regardez, j'avance. Attends, j'ai rien mis dans les buissons. Comment là? Ouais. J'ai juste passé parce qu'il y avait. Ouais, oui, c'est bon. Il y avait les messieurs qui bloquaient là, donc je suis passé. Tu fous de ma gueule? T'étais là, t'étais comme ça. Monsieur, je vous jure, mais regardez, j'ai rien dans mon sac. J'étais en train de faire de l'eau, monsieur. On attend les médecins ou pas? Après les gars, ce serait préférable. Je vais les mettre sur la table, sur le bureau. Ouais. Sur mon collègue. Retournez-vous. Retournez-vous. Retourne-toi. J'ai rien d'illégal sur moi. Oh, tu vas te détendre, c'est pas toi qui fais la loi ici, c'est moi, d'accord? C'est bon, monsieur, qui avait pas. Bouge pas, c'est moi, qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi le problème? Tout à l'heure, on m'a menotté, on m'a dit qu'on pouvait démenotter et on m'a rien fait. Bah, bouge pas. Bah, retournez-vous, les gars. Voilà, et bougez peu. Tout à l'heure, on m'a dit on se démenote et y a rien. Merci, monsieur. Voilà, bonne journée, bonne pioche. Allez, on interpelle tous ceux qui sont interpellés et direction la BR. Oui, bonne journée, monsieur. Allez, on embarque. Mon enfant. Pourquoi il monte pas là? Il y a quelqu'un qui est menotté là-bas pour mon enfant. Je suis la victime et c'est moi qui suis menotté. Quoi. Ah bon, bah c'est la victime, reste une beauté. C'est pas rentré dedans. Il monte pas dedans, il veut pas monter dedans. Il a... Messieurs, il y a juste le mec de couleur noire qui s'échappe en fait, il veut partir. Alors toi, tu viens avec nous aussi, toi. Hop. Pour braquage. Il a braqué personne, mon enfant. Ouais. J'ai pas votre enfant, moi. Monsieur, vous ah si, monsieur, je suis en train de dire. C'est moi qui vous ai appelé en fait. Oh. Je suis un enfant. Ça fait mal? Ça fait mal? Ah oui, ça fait mal. Ouais, je sais. Moi aussi, ça m'est arrivé des fois. Pourquoi vous lui faites ça là dedans, il monte pas. Ah, c'est n'importe quoi. Je sais pas quelque chose. Qui c'est qui s'est fait braquer par ces messieurs? C'est pas vrai. C'est moi qui lui ai appelé un colt. Il lui a emboîté un colt, il l'a tatane derrière son camion. Pourquoi vous êtes accroché encore, vous? Ouais, vous venez là au commissariat et vous déposez plainte, s'il vous plaît. Monsieur, vous croyez juste comme ça. Vous croyez comme ça. Y'a la sécu qui est là, de toute façon. Okay. Eh, relâche le bandana, s'il te plaît. Sécu, Ouais, non, je sais comment ça. Ah, c'est un bandana. Bah, si, c'est un camion, il est là. Non, j'ai dit ah, c'est un bandana. Ouais, c'est un chaco, parce que regarde mon crâne. Ah, tu veux le cacher? Tu sais si Yuga il est là? Bah, c'est moche. Négatif. Hop, 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 t'arrêtes de courir. Arrête de courir. Eh, je veux savoir, c'est quoi son camion? Il me faut une casse-tête. Et hier, il m'a fait quand même un diplôme, un méga. C'est lui qui a les charges. Il a noté à la, du 30. Bah, allez, on embarque tous ceux qui ont des choses illégales et qui ont été interpellés direction la BR. T'as moins que tu conduises genre 10 secondes? Ouais. Bonsoir, excuse-moi de te déranger, je veux jouer, mais ça me dit d'activer Task Force, je disais. Ouais, transmet, excuse-moi. En hôtel? Ah, si. Tu peux venir me chercher sur force, s'il te plaît? Allez, vous mettez tous direction BA. Moi, je vais regarder un petit peu ce qui se passe. S'il vous plaît, messieurs? Oui. Oui?
Par contre, les gars, vous m'avez embarqué dans un kit de réparation. Un quoi? Un kit de réparation pour réparer mon camion. Il est où ton camion? Il est juste là. Bah, demande la sécurité civile, elle est juste en bas. Voilà. Ah, bah merci. De rien. Alors. 153 millions, ah bah tranquille, la vie sera avec l'économie équilibrée. Ah bah, ouais, mon petit Nibas, hein. Savoir travailler sur LF, hein, y a possibilité. Hein. T'as postulé, okay. Mike. Bonsoir, excuse-moi de te déranger, je vais jouer samedi. Il faut que tu ailles dans le TS, dans besoin d'un renseignement. Tu as le task force à télécharger et installer, redémarrer TRS. Oui, je vais tester GTA 5 un autre jour. J'ai bien pris. Tout le monde a accès sur le serveur. Oui, tout le monde, c'est un secteur ouvert, hein. Y a pas de soucis. T'as juste à télécharger les modes. Monsieur. Allez, les gars, direction la BR. Répétez pour la direction. BR. Vous avez les gars sur vous ou il est dans le Strider? J'en ai un ou deux dans le Strider, je crois. Ok, reçu. Bon, direction BA, vous les traitez pour braquage, merde, et port d'armes illégales. Oui. Moi, je fais le plein de la voiture. Et t'as la trousse ou pas? Allô? Faut que je fasse un plein aussi à la station. Qui a une trousse? Odor? Le 10 mai, tu auras un subprime, t'inquiète, n'oublie pas la douche. Merci Mike. quel jour la mage? Prochainement, très prochainement. Très prochainement. Alors pour, je sais pas si tu es sur le serveur Sinopolite, mais il faut que tu télécharges le launcher pour la mise à jour, enfin télécharger les mods, le task force pour le TS, et c'est parti. Ça vaut quoi? C'est quoi une mise à jour? C'est mignon ce que tu m'as dit, Cédric. Ta gueule. Mais ouais, voilà, pardon. Je vais vous défoncer la gueule, moi. Excusez-moi, mon commandant, je suis de retour. Putain, t'as la trousse sur toi, toi? C'est peu. Bah, mets-la dans la bagnole, bordel. Ouais, que là, je suis emmerdé. Sauf à fendre ta gueule, t'aurais cru. Oh, alors là. Salut Walky, merci de ton follow, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur Springfellow TV. Je t'invite à nous rejoindre sur Discord et de t'abonner sur YouTube pour revoir les lives et les gameplays que tu as arrêtés. Merci Mouloulou et bienvenue. Chef, on devait en arrêter 3. Du coup, donc vous faites. Vous travaillez également, mais vous avez quand même. Mais bien sûr qu'il y a moyen, Jason. Bien sûr qu'il y a moyen. Maintenant que je suis pas trop Viper, t'inquiète. Moi je m'arrête pas à ça, bon. Les gens qui s'arrêtent à ça, pour moi c'est la connerie. Qu'est-ce qu'ils sont reprochés aux gars dans mon Strider? Braquage. Juste braquage? Ouais. Moi aussi. Et l'autre il a des chargeurs de MX, je sais pas quoi. Par contre on n'a pas trouvé d'armes, mais bon. Tant pis. Ils ont le commandant. Il y a déjà l'équipement, c'est pareil. Bah alors, c'est pas alors lui. T'as du masque pour encore. Attendez-moi, la sécu va me déposer, le deuxième gars est mort. Ah. Le gars est mort. Celui qui a foncé dans la voiture? Celui qui était coma sur zone. Ah merde, quel dommage, quelle perte. J'en pleure carrément. D'un acte. Et bah c'est sur quelle position là du coup? Attends, viens. On s'arrête au promesse, on s'arrête. Oh, pour l'instant on s'arrête nulle part. Ah, dans le caillou, à mon avis, dans l'arbre. Nulle part, tu vois. De quoi? Ouais, je sais. Au fort. Hein? On s'arrête au fort, non? Pourquoi? Ouais, bien. Ça après, je pourrais partir sur le SD. LSDI. Le LSD. Normalement, c'est une bagnole aussi. Ah, oh non. Ah non, franchement, elle existe trop. C'est vrai, ça va vite arriver. Je la conduise? Ouais, vas-y. Vite, 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 vite. Pareil, je vais postuler, mec. Tu précises que c'est Sapristi qui conduit. Bah si vous postulez les gars, postulez maintenant parce que je vais traiter les candidatures ce soir ou demain. C'est sûrement de ta faute. Donc postulez.
Quoi, ouais. Maintenant je préfère vous prévenir, hein, ça peut être tendance à se tromper de levier de vitesse. Tire vraiment rigolo comme mec au dorant. Mais bon, changez de nom, les gars. N'oubliez pas de changer de nom, hein. Prenez pas votre nom rebelle. Hein. Salut mon petit, comment ça va Dylan? Les docs, vous... mes bisous pour les docs. Les docs. Pour Bob Dylan. Bob Dylan contre tout, chacun là. Aventurier contre tout, Dylan. Non mais je préfère prévenir quoi. Ils ont pas envie de répondre. Parce que si je le dis, c'est que j'ai déjà vu. Non mais c'est bon, c'est pas grave. Allez. Il y a la sécu qui vient de s'envoler, ils sont cassés. Il y a une chance sur les qui se commande. Ouais, c'est clair. Hein. Si vous ramenez... Et si vous ramenez vos gueules avec vos, vos noms de VVZ, on va bien rigoler. Hein. Non, refusé. Non, refusé. Non, refusé. Oh, bah, si t'as pas de casier judiciaire. Moral contre tout, chacun. Aventurier contre tout guerrier. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est que je ne suis plus Syrah, c'est terminé. Je suis leader de l'escouade Viper, provisoirement. Et je reprendrai mon poste plus tard dans Syrah peut-être ou pas. Ou peut-être même, j'espère, si on m'entend, mon petit abonné JDimers, ou voir si on me donne les rênes de chou. Ouais, on recrute Viper, ouais. J'ai 9 places. Il y a plein de candidats. Ouais. Ouais, c'est normal parce que maintenant je suis dans Viper. Ouais. En fait, demain. Plein de gars qui vont se quitter avec moi. C'est ça. Ouais. Corps à corps et semi-distance. Merci, il y a moyen que je te conseille 2-3 gars là dans les candidats. Non, Nico, c'était pas Odor. Odor, c'est une petite recrue à qui je coupe les cheveux tous les jours. C'est Nico. Non mais il est où C'est qui Odor? Odor? Je sais pas. C'est pas vous pouvez tous postuler Viper. Hein? C'est pas genre le ministre? Ouais, je crois. Odor, il est recrue. Donc une recrue qui lead Viper, ça c'est pas encore vu. Bon, je lead Viper ? Ah ouais ? Ouais, ouais, apparemment. Un pauvre mec au dehors. C'est Mike. Ah, mais... un courant a cassé à côté de l'air. Ça barre pareil. Parlez. Des personnes avant que je l'adopte. Des personnes. Il va l'adopter, il est recherché par toute l'île, pas de quoi masquer tout. Vous voyez le coup. Hein. Ta poêle, ta poêle, ta poêle, ta poêle. Quand même, monsieur. Ok, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est pas une grande perte. Putain, il est. Une lessive, chef. Allez-y, venez les gars. Postulez, postulez. Pas de couper les cheveux, ça lipide de merde. Postulez, je les traite après. C'est à moi que tu parles. Ouais, vas-y. Je parle à Bellic, mon commandant fou, je ne me permettrai pas. C'est pas moi qui ai parlé là. C'est qui? Ah mais y'a pas de soucis, c'est celui commandant dans la tête, je le comprends, hein, c'est précis. Ouais, je suis un petit peu fatigué là. Eh bah garde dans ta tête que je suis ton ministre. La mortalité des policiers au combat est terrible, hein, mec. Tu me menaces? L'accident est si vite arrivé. Tu me menaces? Non. Bonjour, chaperon rouge, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bonjour, j'aimerais porter plainte. Encore? Je suis jamais venu, moi. Mais est-ce que vous avez les formulaires 32B? Oh, le fou qu'il a.
Alors j'ai le 33B, mais... Ah, pas le 32B ? Ah bah le 32B, pour... Ah bah, il me le faut absolument. Donc il faut aller à Cavala, au commissariat. Ah, fois... attendez, je crois que j'étais dans ma voiture. Et quand vous avez récupéré le 32A, il faudra aller au fort de l'Est, chercher le 32B et revenir ici, en fait. Non, mais j'ai tous les documents B dans ma voiture. Ah bah, allez les chercher. Je viens de m'en souvenir dans le corps. Ouais, c'est ça. Suivant. C'était une référence à Asterix et les travaux. Qu'est-ce qu'il veut, le motard? Ok. Mais c'était rigolo. C'était ça. J'ai bien aimé la petite. Ouais. Il est sourd. Il est sourd? Monsieur, il a dit qu'il entend rien. Ouais. Allez voir mon collègue qui est là-bas. Là. Tu sais parler le langage des signes, non, Pélix? Bonjour. Salut, le motard. Alors, t'as cassé ta moto? Ou tu viens pour la prendre à la béquiller? Vous avez de l'humour, monsieur. Bah, bien sûr. Non, c'est pour savoir, est-ce que vous prenez des stagiaires? Non. Je sais pas, moi je demande, hein, parce que bon, moi je sais pas, je suis un peu SEF, sans emploi fixe, donc je veux savoir quoi. Pourquoi? Comment? Pourquoi tu es SEF? Sans emploi fixe, parce que je vais faire un stage découvert, parce qu'en fait je suis intérimaire, quoi, mais j'aimerais bien faire un stage découvert. Ouais, si c'est possible, c'est ça. Alors, attends, je regarde vite fait s'il y a une entreprise, là, quelque part. Mais non, mais vous êtes un service public, donc je demande. Ouais, ben, service public, il prend pas des stagiaires, monsieur. Ah bah, voilà. Allô, Jean-Claude? Jean-Claude? Ouais, c'est Dédé. Dis, en fait, tu prends pas des stagiaires, toi? Parce que j'ai un mec qui se présente, il veut être stagiaire. Sa spécialité? Sa spécialité, vous faites... Il fait très bien le café, apparemment. Le café, ouais. Ouais, ok. Tu peux aussi cirer les chaussures et passer l'aspirateur. Ouais, ça marche, mon Jean-Claude. Pas de soucis. Allez, bisous. Passe le bonjour à ta femme, pour moi. Du coup, vous allez à la DC, ils vont vous prendre en stage. D'accord, ok. Voilà. Mais de rien, monsieur. Au revoir. Eh, hey, testez la sécu, on sait jamais. Alors, mon petit chaperon rouge. T'as retrouvé le méchant loup ou pas? Ouais, du coup, du coup. Alors, donne-moi ça. Hop. Ah bah non, c'est le 32C ça, monsieur. Ah, mais c'est bien le 32B, regardez ça. Non, non, c'est écrit 32B, 32C en bas à droite. Allez-y, récupérez-moi le 32B et je vous accueillerai les bras ouverts. On va faire ça. Non, mais je. Bah, vous voulez déposer plainte pour quoi en fait? Disons qu'en fait, tout à l'heure, ils avaient fait un accident de voiture et puis c'était des méchants rebelles. D'accord. Et du coup, j'ai fait demi-tour pour aller voir si le monsieur allait bien, mais j'ai vu qu'il avait des petits ou les boulets et puis qu'il avait sa voiture. Ouais. Du coup, j'y retourne et puis là, il y a tous les rebelles qui me disent ouais, arrêtez-vous. C'est... Ils étaient combien? T'es qui, etc. Et du coup, le monsieur commence à tirer à côté de moi, etc., à vouloir me faire peur. Ouais. Du coup, c'est pour ça que je viens. Parce qu'il t'a fait peur. Non, mais il m'a fait des menaces et puis il a failli me tirer dessus et puis il m'a blessé quand même. D'accord. Et tu veux que je fasse quoi avec ta plainte là en fait? T'as plus d'aliments? T'as quelque chose? Allez, viens! Raconte-moi ton histoire. Alors, je suis en train de me balader tranquillement sur la route. Quelle route? La route principale. C'était au niveau de la LC. D'accord. Juste après la LC. Du coup, là, comme je t'ai dit, je me prends une voiture parce que le mec roulait clairement en contresens. Ouais. Du coup, je fais demi-tour normalement pour aller voir si tout va bien, etc. Ouais. Et puis au moment où je fais demi-tour, il y a trois voitures qui viennent m'entourer, qui m'arrêtent. Du coup, je me mets sur le bas-côté. Ouais. Et là, je vois le monsieur qui est percuté qui arrive. Une voiture qui m'ennuie, mais un peu quand même. Vas-y. Ouais. Vas-y, je t'écoute. Il me dit bonjour, oui, vous êtes qui? Et puis il commence à m'embrouiller en mode ouais, tu roulais pas du bon côté, etc. Et il commence à tirer sur ma voiture. Ouais. Et puis j'ai pris une patate. Ouais. Par l'un des messieurs. Et puis, ouais. Et ils sont repartis. Ils étaient habillés comment? Le monsieur qui m'a agressé, avec qui j'ai fait l'accident, il était habillé tout en noir, un costard. Ouais. Un chapeau. Chapeau noir? Non, c'était un petit chapeau marron. Ouais. Costard noir, chapeau marron. Il avait un accent? Ouais, il avait un petit accent. D'accord. Il avait quoi comme voiture? Ils
ils étaient en voiture, tous en voiture noire, j'avais des Audi RS6, puis je crois qu'il y avait un... Des Audi RS6, costume noir, chapeau marron. Audi RS6 et puis un ML. Et un ML. Et les autres, ils étaient habillés comment? Il y en avait avec... ils étaient habillés tous différemment, mais beaucoup avec des chemises. Avec des chemises de quelle couleur? Ça dépend, il y en avait avec des chemises vertes, des chemises rouges. D'accord. Ils étaient tous le visage caché. D'accord. Bon, ok. Ça marche. Tiens, signe ta déposition. Ah bah parfait. Bon allez, on va voir, on va gérer ça. Ils t'ont volé quelque chose? Non, ça devrait aller. Ça devrait aller. Bon allez, ça marche. Merci de votre dépôt de plainte, monsieur. Et n'oubliez pas le formulaire 32B à chaque dépôt de plainte. Ça marche? Yeah. Et n'oubliez pas, avec Dédé, on ressort toujours ensoleillé. Ok, ok. Allez, on se barre. Allez, Viper, on se casse. Direction. Tu fais moi direction LC. On recherche des voitures noires, braquage sur route principale, Audi RS, et voilà quoi. Habillé costard, chapeau noir et les autres chemise civile. De couleurs différentes. C'est reçu. Audi RS6 noir, costard avec chapeau marron. Ah, c'est quoi que je les ai vus? Tu me fais une commande longue pour CPR. Et tu leur demandes de rechercher un groupe de véhicules noirs avec des civils à l'intérieur. Viper 10 pour CPA, vous recevez? Affirmatif, transmettez. On recherche un véhicule direction de la LC. Des véhicules. Des véhicules en direction de la LC, c'est une A6 noire. Et d'autres véhicules avec noir. Et avec d'autres véhicules autour. On a que ça comme information au niveau du véhicule. Braquage sur le principal. Sur des packs, code. Rouge dessus. Alors, véhicule habillé en civil, costard et chemise de couleur. Ah, ils sont habillés en civil, costard, chemise de couleur. Et c'est des packs armés, ouais. Ouais, donc c'est okay, des packs armés. Ça va y aller, tu vas y arriver. Ah, c'est que j'ai pas des infos, donc... ça passe en flic de 20h à 23h chaque soir. Ça passe en flic. Qu'est-ce que tu me racontes, Jason? C'est quoi la voiture en seconde? Je sais pas. Ouais, c'était pas tout à l'heure, ce véhicule était pas. Je confirme, le beige surtout. Aussi, confirmé, armé? Ah oui, tout à l'heure, quand je vous envoyais le message, c'était lui. La même voiture. Allez, on contrôle, les gars. On se met en position fixe et on protège. Je vais crocheter l'Audi noir. Ok, non. Génial, on a un véhicule bleu qui vient de se placer dans la ville. Bien pris. On va se prendre position dans la ville, non? Pour moi, il y a une voiture. On surveille les bâtiments. Non, on ressort, si vous pouvez. Vous me faites un périmètre de sécurité, on passe canal 1. Toutes les unités de ce Viper. Ah merde. Je suis dedans. Aïe, ok, je répare. Le Viper Sierra a besoin de tout le monde sur place. Merde. Je répare. Info sur vous, Dédé. Plusieurs packs qui se positionnent aux alentours de notre contrôle et qui a été vu avec des packs. Sierra, on arrive. Ouais, mais il a cassé aussi. C'est pas, on pourrait me faire un check aux alentours s'il vous plaît. Merci pour risquer. La plaque du VL beige, c'est Bruce Perse. Ok, note-le, c'est bien sur les véhicules. C'est bien. Attention, en me l'entendant les gars, vous enclenchez le code noir sur les véhicules positionnés. Hein.
pourrais avoir des points Pax si possible. Allez, pour ceux qui ont vu des packs se placer, vous mettez des points cartes s'il vous plaît là. Ça saute là. Commandant, vous m'avez reçu sur le canal 1 ou pas? Non, pas du tout. Là, il faut mettre point 1 alors. C'est peut-être pour ça. Sinon je vous disais que bah, lui je vais le relâcher parce qu'il y a rien dans son véhicule, rien sur lui et il me maintient dur comme fer que c'était pas lui. Bon bah on se casse ça va. Les... Comme il a pas les mêmes habits, voilà. Par contre le véhicule au dimanche, je l'ai projeté, il est full stop rebelle. NT2. Le gris là venez voir, il est joli, venez voir. Je vais vous donner les clés. Ok. Et il fait des écoles monsieur là? Bah je pense qu'il a dû avoir un accident avec celui-ci parce qu'il était en train de réparer son véhicule. Bon, monsieur. Allez-y, regardez. Je suis sûr de lui. C'est un copain à moi ce véhicule, monsieur. Un copain à toi, il s'appelle comment ton copain? Je sais pas, je l'ai rencontré à Tira. Ouais. Et il est où ton pote là? Il doit être à Tira. Tira, Alice, pour Nicknick, essaye de te placer au niveau des tours armées, du petit message de. Ah, certes, je sais ce que j'essaie de faire. Ok. T'as rien dans ta bagnole, toi? Celle-là? Non, on peut regarder. Oui, oui. Ok, allez, tu peux y aller, fiston. Au revoir. Allez. Ça peut intéresser quelqu'un, ça, je pense. Il est sur le dos. Ouais, bon. Bah, allez, on prend la voiture et on se casse. Amphi. Amphi, transmet. Tu peux les packs sur ce bout. Négatif, c'est bon, c'est réglé. On a la véhicule remplie de stuff, on va la BR. Ça précise, je prends l'Audi, donc t'es tout seul. Ah, ça, je... Allez, on prend le véhicule stuffé et direction BR. De au cas, je suis dans le véhicule, je vais la BR. Vous m'identifiez le véhicule et vous donnez le nom à la Sierra. C'est bien pris. Bah oui, c'est bon, mon petit Jason. Pourquoi ce serait pas bon? Bien sûr que c'est bon. Ok, bon. Test course. Reçu, il faudrait que là. Sierra, restez sur ce canal pendant 5 minutes, le temps que j'identifie le véhicule et que je vous transmette le nom. En attendant, on se positionne en TE sur 3 armées bijoutiers. Triple bijoutier. Ok, de Sierra Lee, de Viper Lee, pour information, plusieurs véhicules noirs, dont un Audi RS6, ont commis des braquages sur route principale, habillés en civil, chemise de couleur pour les PAX, et costard noir, chapeau marron. Reçu. Il y a un véhicule noir devant moi, là. Civil, c'est bon. Civil. Info? Hélicoptère. Info sur vous, Viper. Voilà, l'hélico qui s'écrache, le mec a réussi à sauter avant, je l'ai récupéré, j'essaie de l'emmener vite au médecin. Ok, il y a. La sécurité civile est proche à l'arrivée. Vous pouvez vous arrêter au niveau du pont. Donc pour tous, pour les Sierra, le véhicule est au nom de Kerry Mendes. Kerry Mendes pour le stuff. Comment reçu? C'est reçu. Du coup, Kerry Mendes recherché pour le moment? Ma fille. Ouais. Il est dans. Vous avez contrôlé le mec dans la Mercedes beige là? Je suis en massif. C'est quoi son nom? Karim. C'est comment il s'appelle? C'est le major qui l'a qui s'est occupé de lui. Ah, il va être la beige là. Ouais. Ben Bruce Perce, il me semble. Ok. C'est le propriétaire du véhicule. Tu vas. Ok, ça marche.
On reste avec elle, hein? Ouais, on reste. On sécurise. Il est arrivé chez Sider, cet homme. C'est 3 fois qu'il passe au-dessus de nous, il est cool. Où? Chez nous. Rappelle le CPA. Pose, il se pose. Tu leur dis de venir sur le pose quand on a un hélicoptère sur nous. Attends, il a tiré. Non, il se pose là. Ouais, il est là, je pense. Vous posez n'importe où avec votre hélicoptère? Bah, je sais pas ce qu'il a en fait, j'ai pas pu lui parler. J'ai vu que son hélicoptère il s'est crashé quoi. D'accord. Et vous avec votre hélicoptère, monsieur, ça a l'air d'aller pourtant? Oh, oui, moi ça va. Alors pourquoi vous posez n'importe comment en plein milieu de nulle part? Bah, je suis bien posé là, non? Ah ouais, bah oui, c'est un héliport ici, c'est marqué dessus là en plus. Là. Vous avez raison, monsieur, regardez. C'est marqué par terre, héliport. Pas de hache par terre, c'est? Bah avec ouais. L'air, ça fait un H, non? Ah ouais? T'es en train de te foutre de moi, quoi? Non, je rigole. Bon. Ça veut dire papier. Que t'as envie de passer? Papier! On va pas coucher, j'ai dit papier. Encore un mec facile, papier, ça. Monsieur. Papier, s'il vous plaît. Salut, monsieur, j'arrive pas. Ah. Là, t'arrives mieux? Léo Barto! Oula! Léo ça Barto. Va? Est-ce que vous êtes recherché, monsieur Léo Barto? Ouais, je pense. Si, si, il est recherché. J'ai déjà eu un rapport avec. Si, si, c'est un braqueur. Police. Bah, non, j'ai payé la dernière fois. Il a qui l'hélicoptère, monsieur? Bah, il est à moi. Ah bon? Les papiers. Allô, Marine? Ouais, tu peux me passer l'identification d'un hélicoptère, s'il te plaît? Le Alpha Lima 45 53 48 64. Joël, lui, et Valentin Roy. Ok, ça marche, merci. Bon, ça se fait qu'il est pas vous, là. Pardon? Pourquoi il est pas vous, Lico? Bah, c'est des amis à moi. Joël, lui, je le connais. Ah ouais? Il fait quoi dans la véhicule noir qui arrive sur vous? Bah, je sais pas. Merci. Ah, c'était avec un rouge, autant. Il m'a dit que c'était votre travail, monsieur. C'est pas mon avis, mais il me l'a donné. Ah. Quelqu'un que vous connaissez pas vous donne un hélicoptère. Ah, allez, on bouge. Bon, allez, vous reprenez votre hélicoptère, vous allez voir. Alors, je vous invite à monter là-haut et à regarder Nilsson Gerson avec ses oies sauvages. Sapristi, t'es un fou. Alors, tout va bien. Ouais, c'est bon. Je crois qu'il a pas compris. Mais je l'ai vu, c'était un gars de l'œil. Ouais. C'est chelou. Il a volé, je pense. Ouais, je pense. Bon, surtout qu'il était avec l'autre, récupérer les pétards. Ouais. Non. Vous avez sauvé le mec ou pas? Ah, sûr, ouais. Ok, vous l'unité le dépose à la BA, le traite, les autres direction à tir. Attends, ça si on veut bien, on va au garage à tir. On fera ça là-bas, ça pourra se rejouer. Hein? Croisé à cirage maintenant. Ouais, Syrah, vous avez des informations sur la tira ou pas? Pas sur la range. D'accord.
On repasse canal 2 pour Viper. Pour revoir, je kiffe trop ton RP. Oh, ouais. Merci Dylan, t'es cool. Vas-y. Il kiffe trop mon RP. Il doit avoir de la merde dans les oreilles. Il y a un camion dans les parages. Ah, c'est le trailer. Ok. Ok, Arès, on retourne direction Negades. Toujours plus loin là-bas, parcourir le ciel sauvage. Viens voir Neil Sanderson. Qu'est-ce que tu vois de là-haut? Rien en fait. Neil Sanderson. Regarde le ciel est si beau. Ah quoi? Toujours plus loin là-bas. C'était bien que je chante. Pareil, pareil. Pareil. C'est tout. Allez les gars, on sécurise Cobra et après on attaque Negades là. C'est un peu loin quand même. Info sur Negades de Cédric? Bah rien pour l'instant. Quoi? T'as dit putain? Elle est où la putain? Elle est où la putain? Elle est où? Vas-y, je te laisse conduire ce que t'as dit. Ok, merci. Ah, si vous voulez conduire, allez. Ah, vous voulez chez les Cobras du coup? Ah merde. Vas-y. Ah, j'ai eu peur, mon commandant, j'ai vu. Oh, j'ai. Allez, direction Negades. Je vois un support de. Alpha, vous repassez devant du coup? Ça va, tu es pas méchant avec la grue. Non, pour l'instant, non, c'est que mon premier jour, mon petit Dylan. Normal. Ah, avec moi. Plus les jours vont passer et plus je vais être con. Moi, tu veux qu'il soit méchant avec moi, Dylan? Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu penses à moi? Oh là, mais pourquoi il avance? Bravo, faudra que je m'arrête à la prochaine station si possible. Tu galères, j'ai envie de jouer une seconde. Pourquoi tu peux pas, Mike? Ah, mais toi, du coup, c'est une station électrique. Non, c'est bon, je mets de l'essence un peu et ça passe. Du coup, c'est pas le. Ouais, d'accord. Alors, on s'arrête ici à la station, sécurisation de la station, tant qu'on fasse le plein, s'il vous plaît. Bonjour, un policier sur des spawns là. Je faisais autant de bruit que la Tesla, c'est-à-dire ok. Je trouve que tu fais beaucoup trop de bruit quand tu ouvres ta bouche, Bellic. Je suis bien content d'être là, au moins je vois pas ta sale gueule. Du coup, ça serait mieux que tu l'as fait. Ouais. Est-ce que tu veux une astuce, Bellic? Ouais. Comme ta bouche, t'auras chaud aux dents. Allez, hop, salut Bellic. Allez, dégage. Putain, en plus j'ai fait son plein. Allez, on est reparti. Merci Mili Commando. Pas de soucis, Major. Belle peur en vue. Putain. On voulait pas qu'on prenne le repère de. De gang quand on se fait un peu de 2 mètres ou quoi. Mais non. Comment? T'inquiète, ça va bien se passer. De quoi? T'as besoin de mettre une tête à la fin de la tempête à sa festive? Non. Ah, ok, je pensais pas faire la fête. De quoi, répète? Non, on va au repère de gang, on se fait un petit peu de mètres et on fait une petite soirée tranquille. Après, on filme les crânes. Bah, bien sûr. Et après, ça finit en couillasse à la boîte à cul.
Ouais. Surtout Pélic qui adore ça. Dans les bouches là. Pélic qui adore ça. Ouais, franchement Pélic, j'espère que t'as une bonne assurance vie. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Ah, je sais pas, on est censé être collègues, tu vois, on est censé s'entraider plutôt que de s'entretuer. C'est... Là, en fait, c'était comme ça que j'ai demandé au commandant leur autorisation de lui mettre une tête à la fin de la tempête. C'est une bonne idée. Alors que, tu vois, moi je dirais jamais ça, parce que pour moi, t'es mon collègue, tu vois. Là, par contre, t'as fait la sommation, prépare-toi. Ah, connard. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Sapristi? Vous étiez beaucoup plus à froid en tant que directeur. Ça prend de l'eau froide là. Oh là, la Tesla qui a son caillou. Ça c'est de l'eau froide là, si tu le prends à 150 t'es une machine. Ah bah c'est pas toi qui prendra. Je t'avais montré la vidéo de Palmer, c'est quoi? Non je m'en fous, c'est un traître. On sécurise l'unité qui a cassé. Comme ça, commandant. Ouais. Commandant, je me mets comme ça là, je bouge pas. De Sapristi pour Velic. À l'écoute. Ah le gamin, casse les couilles. Voilà, on est reparti. Piloter votre voiture. Alors tu vois Bélic, t'as oublié ce que je t'ai dit tout à l'heure. Donc là non seulement en plus d'avoir froid aux dents, tu vas en perdre quelques-unes. Ah non, moi c'est pour vous prévenir parce que moi je veux vraiment qu'on ait une bonne cohésion chez Viper, mais si ça commence à parler dans le dos, moi je suis pas d'accord du tout quoi, vous voyez. Donc toi, pour entretenir la cohésion, tu fais la pupute et tu balances tout. Bah je préfère que vous régliez vos différends avant toute chose. Vous voyez Major? Pour moi, c'est pas vraiment balance, c'est juste prévenir pour éviter une surtension par la suite. T'es un peu une taupe, quoi. Je préfère désamorcer la chose avant le problème. Mon commandant, vous en pensez quoi des taupes? Moi, je les enterre et je les crève. Ok, il est arrêt. Je suis pas une taupe, moi, du coup. Alors, je confirme que c'est pas une taupe. Odor, c'est juste une petite pute, voilà. C'est une donneuse. C'est bien, monsieur. Il a très dû lancer. Arrête-toi là. Pas encore la cohésion d'équipe. Non, tu veux pas t'arrêter? Odor. Y'a personne qui fait du LSD à ce heure-ci là, c'est étonnant. Moi je sais pourquoi personne fait du LSD, vous voulez que je vous dise pourquoi? Il reste 20 minutes. Quoi? Aïe. Comment ça? C'est parce qu'il n'y a plus de Texan qu'il n'y a plus de LSD. Après c'est quoi toi, la pire espèce? Allez, on reprend route principale et direction Kavala. Moi j'ai pas encore 2 mais on a cassé parce qu'il y a un Strider. Chef, il y a le Strider qui vous a take down. Ah, vous êtes qui était surtout au plombier de la route, mais... Ce que vous c'est faites, les mesures à prendre quand un Strider vous take down, vous mettez une petite barrière en dessous. On y pensera la prochaine fois. Enfin, t'y penseras, mais t'y...
Ciao. Pensez que je suis votre médecin. Comment vous avez eu la, les points mort de rire, tant de besoin. Ça, les points, c'est une chose qui est trop facile à avoir, je crois. Non, tu veux être du point principal, hein. Ouais. Allez, écoute. Saloperie. Quand tu veux pour passer devant, du coup, Alpha, du coup, Sapristi. Alpha, nous étions en couverture. Ouais, mais voilà, nous on attend nos camarades, tu vois, on est cohésion, tu vois. Ouais, je suis désolé, excusez-moi, c'est vrai que j'étais dans mes pensées. J'espère que vous accepterez mes la bouche, les dents, le chauve toujours, Bélic, pense. Ça va, tu vas genre. Le Raider pour Sierra, tout va bien, nous dirigeons sur Kavala. Oh. C'est bien. Quel goût. Red Aster, mon petit goût. Allez, j'aime un peu trop, d'ailleurs, ma cigarette électrique, pour moi c'est trop bon. J'arrive pas de l'avoir en bouche, c'est même très chiant. Cher aussi le produit. De quoi? Et le produit il est pas donné, je crois, c'est. Bah si, 4€. Combien de temps? C'est même 15 jours. Ouais, ça va. Ça va. Il y a une change de résultat. Commandeur, on est cassé. Négatif, on vérifie les niveaux du. Non, on vérifie les niveaux du motard. Pin! Tu veux que je défonce? J'ai changé de pilote. Ouais, c'est Scott encore. Allez, c'est bon. Vas-y. Oh, mais j'aime bien gueuler. Pour rien, des fois. On a un Porsche Macan avec un Costa dans ses. C'est pas la Pax que c'est moi qui étais là. Non, c'était une RS6 qu'on avait en noir. Ah, vas-y. Oui. alors on va aller. Ouais. Ok, voilà, non, pour la fin. Ouais, Colline, j'ai mis un point sur carte. Je peux tout sur Kavala pour la colline. Non. Bon, allez à tout le monde, Cobra et Viper, rendez-vous sur le cercle bleu, carte sud Kavala. Ouais, bah merci les gars, je vais en chier pour les candidats, hein. Est-ce qu'on va chiller là-bas? Est-ce qu'on pourra faire un octogone avec ce fois-ci? Un octogone? Genre se taper dessus. Non. Je veux lui mettre une grosse droite. Bah là-haut à gauche, la grande colline à gauche. Non, ouais, non, va là-bas. Ouais. Là, c'est encore cassé. Ah, cette fois, c'est la Tesla. Non, on vérifie les niveaux. C'est le niveau de la pilote. Là-haut au bout, non? Ouais. Tout en haut, là-haut. Du coup, t'as envie d'aller? Pour? Quoi? Oh. Une que t'as l'habitude d'aller ou pas? Ouais. Oh ouais, je vais un peu partout. C'est vraiment fort random. C'est ça. Je vais écraser un lapin. Je vais savoir. Voilà, à droite là. Descends. Il y a que moi qui monte. Comme 112, c'est ça?
Je suis un peu distordu, non? Il arrive à monter le Strider, on a besoin qu'on le pousse à distance, c'est ce qu'on se pose comme question. C'est bon, ça va le faire, ça va le faire. On se folle. J'ai oublié de s'arrêter, je crois. Nous sommes dans le cercle. Allez, rentre dans le cercle. Tiens, voilà les beaux gosses. Et Bélix. On l'a dit, lui. Coucou. Alors, non. Si tu veux. Ah non, c'est quoi ça? T'as de merde. Approchez-vous, policier d'Altis. Approchez-vous devant moi, afin que les paroles du céleste commandant préféré soient dites. Qu'est-ce que c'est? C'est les quoi? Le commandant préféré, il est où le commandant Ditton? Je vois pas. Alors toi, tu prends en couille. C'est tout, hein? Tout le monde est là? Bon! Oula! Maintenant que j'ai rejoint Viper et que je vous ai observé durant cette patrouille journalière, il y a certes des choses à changer, une organisation à créer, mais. Tiens, on va lui remettre. Quoi? S'il veut, lui? T'as pas terre, non? Ah, je sais pas, c'est vrai qu'il y a un bordel là. Donc du coup, je disais, faites-vous plaisir, rigolez entre vous, formez une cohésion dans ce groupe. Prenez-vous au sérieux lorsque l'action doit être prise au sérieux. Mais surtout, prenez du plaisir et faites partager ce plaisir avec les autres. C'est la règle numéro 1. Avec moi, c'est simple, les gars. Si ça se passe bien. Mais en plus, tu règles. Si ça se passe bien, ça se passe bien pour moi. Si ça se passe mal, je crève des perturbateurs. N'oubliez pas que vous représentez la protection des civils, l'institution gouvernementale. C'est à nous de les orienter vers le droit chemin. Des moments difficiles nous traverserons. Mais nous aurons aussi des moments de joie qui nous mettront sur un piédestal. Ta gueule, il vient là. La poêle à gauche. C'est une sectiste. À droite. C'est à droite. Ah non, c'est à gauche. Maintenant que je suis leader Viper, je vais vous former à devenir des guerriers. Des armes à tuer, des armes de protection, et le bras gauche de la justice, car le bras droit c'est moi. Le ministre est dans ma poche, la justice est dans ma poche, mais ça ne veut pas dire que nous gagnerons à chaque fois. Ah. Tout autour de nous, messieurs, des rebelles vivent, trafiquent, tuent des innocents, prennent en otage des autorités, et veulent surtout nous nuire. Nous nuire pourquoi? Car nous avons de l'équipement qui est fort coûteux, mais intéressant pour eux. À nous de les débusquer, de les arrêter et de les mettre devant la justice. Viper, avez-vous une hymne dans votre groupe? Une hymne? Une hymne. Un hymne, une chanson, quoi. Non, vous avez rien mis en place? Donc, à partir de maintenant, chaque groupe Viper aura une hymne. Je veux que à chaque fin de journée, on décompresse autour de cette chanson. Qu'est-ce que c'est? À vous. Qui gamin? Oh là là. Qui
qui avait ça? Ok. Qui non, fait ça mais. Il y a beaucoup là, non? Ouais. Allez, en position. Ouais, mais là, je crois que. Et je crois que c'est testé genre une par personne et c'est pas. Ah merde! Putain, j'ai fait ce que je voulais pas faire. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On a attaqué par quoi? Par un... Oh putain! Ouais! Le hacker est revenu! Bon, c'est pas grave en soi! Bon bah voilà, c'est pas grave. Bon, voilà, le hacker est revenu, c'est pas grave en soi, j'ai pas pu finir. Bon, merci à tous de m'avoir suivi. Ouais, c'est un cheater qui est revenu. Merci à vous de m'avoir suivi encore ce soir, vous avez tous été très nombreux. Merci Inek pour tes dons, ton don, c'est juste fabuleux, merci à tous. On se rapproche du stream deck, ça me fait plaisir. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Merci à tous les followers, malheureusement, j'ai plus les dons, j'ai plus tous les noms. Parce que à cause du hacker, ça m'a tout effacé. Donc merci à vous tous. On a atteint les 250 followers. J'espère qu'on va atteindre les 300 et voir qu'on soit une bonne et grosse communauté autour des mêmes jeux et des mêmes passions. Merci à tous. Je vous donne rendez-vous demain soir, 20h minuit, soir LF. Pour les autres streams, j'ai pas d'heure fixe. Je fais un petit peu ça en après-midi, dans fin d'après-midi, sur R6 et tout ça pour les nouveaux. Sur GTA 5 RP, tard le soir ou en début d'après-midi. Voilà, pour ce qui est du reste. Encore merci à tous, soyez nombreux. J'espère que vous avez pris du plaisir à regarder les lives. Surtout celui d'aujourd'hui avec le hacker qui nous hack depuis maintenant quelques heures, on va dire, qui nous fait chier. Mais bon, ça, on va s'en occuper après. Merci à tous. Bonne soirée. Bisous, mes loulous. Rendez-vous sur Discord. Rendez-vous sur YouTube pour revoir les lives. Je vous fais confiance. N'hésitez pas à follow la chaîne pour ne rien rater. Bisous, mes loulous. Bonne soirée. Bonne nuit. Et voilà, les amis. Maintenant, le streaming est terminé. Mais avant de vous quitter, je vais vous faire une petite dédicace. Merci à tous les followers et à tous ceux qui ont followé pendant que j'ai streamé. Merci à tous les abonnés et tous ceux qui viennent de s'abonner. Merci aux donateurs et tous ceux qui ont donné dans le passé. Merci de vos commentaires qui me donnent l'envie de streamer. Merci à tous de partager Springfellow TV. N'hésite pas à rejoindre Discord pour jouer avec la communauté. Et tout d'abord, je voulais tous vous remercier, vous, la famille, qui êtes de plus en plus nombreux à me suivre et à tenir votre fidélité. Merci à tous. C'était Springfellow TV.